Est-ce que le chat va bien? Est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Let's go! Est-ce que l'équipe va bien dans le chat? Est-ce que tout le monde est au taquet? Je crois qu'on peut le dire, tout le monde est à présent en vacances. Vous êtes tous actuellement en vacances. Bon, il y en a dans deux jours, c'est terminé. C'est terminé, mais vous êtes tous en vacances. Yo tout le monde, yo le chat, yo les BG, bonnes vacances à tous. Merci Alex, merci mon ref. J'espère que vous allez bien, c'est mon dernier live avant une semaine. Malheureusement, c'est la vie. Peut-être que je liverai au ski parce que oui, les BG, ce soir, je pars au ski à minuit. Donc, ça sera pas un très long live parce que je dois aller faire ma valise que j'ai toujours pas faite. Donc voilà, minuit, je décolle. Donc les BG, dernier live avant ma semaine au ski. J'essaierai de skier sur les pistes. Si vous êtes chaud, on fera un petit live sur les pistes. Ça peut être des bars. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, les BG. J'espère qu'on va passer un bon moment en live ce soir. Je vais vous expliquer un peu le topo. N'hésitez pas à mettre tous votre pouce bleu, vous abonner, mettre la cloche ceux qui sont déjà là. Merci à tous ceux qui sont présents, ça fait plaisir. Me follow sur Insta pour ceux qui veulent suivre mes aventures au ski. Je vous conseille d'aller voir mon Instagram, ça fait toujours plaisir. Et voilà les BG, je pars pas avec la team Crouton, je pars avec mes potes de ma ville, les gars. Donc voilà. J'ai acheté mon casque. Vous en pensez quoi de mon casque? Est-ce que il a un flow? Casque de ski, lunettes. Est-ce que vous approuvez mon casque lunettes? Bon, normalement, en vrai, je pense que je vais skier avec mon casque cette année. Parce que des fois, je skie sans casque. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'accidents, donc je pense que je vais mettre mon casque cette année. Parce que voilà, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des accidents. Donc j'ai pas envie de finir sans tête à la fin de mon voyage au ski. Sachant qu'après le ski, les gars, j'ai Paris-Roubaix à faire. Je vais devoir être très très bon pour faire les 320 km. Stylé, flow de ouf, éclaté. Bon, il y a toujours des gens qui aiment pas de toute façon. Non, en vrai, moi je le trouve stylé. Hein. Je le trouve stylé, j'espère qu'il va faire beau. Priez pour moi. Les BG, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Ce soir, merci beaucoup Blanco Smoke, merci mon ref. Ce soir les gars, on va jouer à Clash Royale. Ce soir on va jouer à Clash Royale pendant 1h30, un truc comme ça. On va pas faire un live trop long. Et vous allez jouer avec moi à Clash Royale parce que je vais vous expliquer un peu le topo. Est-ce que tout le monde est prêt? Histoire que j'explique. Je ne pourrai pas expliquer 10 millions de fois les gars. Donc faut être à l'affût dès maintenant. J'ai trop envie d'être dans les backstage du prochain tournoi, mais je suis éclaté. Ah ouais, ça va être dur. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je fais ce tournoi là. Et voilà. Ok, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Dès que vous me dites que vous êtes tous prêts, c'est parti à l'attaque quoi. Je vous explique le concept du live, histoire qu'on se mette tous d'accord et qu'il n'y ait pas de gens qui... Oui, vas-y, carré. Ok, Gotha sera pas là ce soir, il a fait le vaccin donc il est un peu fatigué. On jouera tous ensemble ce soir, voilà. Ok, les BG. Je vais bientôt annoncer la date du prochain tournoi Clash Royale. Donc pour le prochain tournoi Clash Royale, je vous dis pas combien on sera, mais on sera énormément. Il y aura un épisode 2 du coup du live Clash Royale. Je compte sur vous pour être présent pour voir la compétition. Et il y aura de nouveaux invités. Mais Clash Royale m'a proposé d'organiser un petit tournoi sur le jeu avec vous où les deux gagnants du tournoi, on va faire deux tournois ce soir. Les deux gagnants seront en VIP pour venir dans les backstage du tournoi. Ça veut dire pas jouer, mais venir avec nous tous, manger avant le live, etc. Pour venir quoi. Donc ça veut dire vous dans votre chambre là, vous pouvez participer au tournoi que je vais lancer ce soir sur Clash Royale. On va le faire en live. Et ceux qui gagnent, vous pourrez venir pendant le live, tout simplement, de la deuxième édition. Si la deuxième édition se passe trop bien, etc., Clash Royale voudront bien continuer avec nous sur un autre truc, je vous expliquerai plus tard. En tout cas, je compte sur vous pour bombarder Clash Royale parce qu'ils m'ont fait confiance avec le premier tournoi. Vous avez tous joué le jeu de ouf et j'ai une bonne nouvelle pour le deuxième tournoi. Malheureusement, vous le serez qu'au moment présent du tournoi. Vous le serez que à l'édition 2. Je vais vous donner les dates d'ici quelques jours et les premiers invités aussi dans quelques jours, soyez patients. Et voilà, je compte sur vous en tout cas pour tous ceux qui vont être là pour le tournoi, pour donner la force, pour télécharger le jeu, etc. Parce que Clash Royale vous en régalé. Vous savez pas encore pourquoi, mais je vous dirai le jour J. Et moi aussi, ils m'ont régalé. Vous verrez pourquoi. Bref, je vous spoil pas trop, les gars. En tout cas, c'est le moment. Lancez tous votre jeu sur le côté. Merci beaucoup Sabrina, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci NGU. Je vais créer un tournoi. Alors, faut que je trouve que je vais... En fait, je sais pas comment je vais faire pour vous choisir, mais je sais que ça sera vos blasts Clash Royale. Je retiendrai le blast des gagnants
Et je me débrouillerai avec le gagnant du tournoi, son blaze in-game. Et Clash Royale, je pense qu'ils vont faire un mail ou j'en sais rien. Mais j'aurai votre blaze Clash Royale. Donc suspense, attention, préparez-vous. Parce qu'une fois que je vais créer le tournoi, il faudrait être très rapide. Il y aura 1000 places. Je vais en faire 2. Donc si vous n'êtes pas là au premier, vous pourrez peut-être être là sur un deuxième. Donc il y en aura 2, vous avez 2 chances ce soir. Moi je vais y participer au tournoi, on va faire un tournoi sur 30 minutes, on va en faire 2 de 30 minutes. Et le but, gagner un maximum de games. Est-ce que le chat est prêt? Je veux un maximum de flammes dans le chat. Merci à tous qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Est-ce que le chat est prêt? Moi je vais créer la game en silence, de mon côté, sur mon ordi. Comme ça il n'y a pas de gens qui peuvent avoir plus de temps pour capter et tout. Je crée le tournoi. Créer un nouveau tournoi privé. Alors, nom du tournoi. Premier tournoi ticket d'or. Voilà. Description du tournoi. Gagne une place en backstage. Voilà. Donc là, je suis en train de le créer. Préparez-vous. Je vais tout vous mettre à l'écran. Définir un mot de passe. Je pense que je vais mettre un mot de passe. Saisir le mot de passe. Hop. Capacité. Je vais mettre 1000. Durée 30 minutes. Ça vous va 30 minutes en durée le chat? Ça vous va 30 minutes? Ça suffit en vrai, on va pas faire une heure. 30 minutes parce que si jamais il y en a qui peuvent pas participer au premier, au moins ils ont pas à attendre trop longtemps derrière. Durée 30 minutes. Mode de jeu. Tirage. Triplé. Non. Combat du tirage. Maximum de défaites, aucune. Affiché pour le clan. Oui. Vous êtes prêts les gars? Je lance le tournoi. 30 minutes. Alors, je vais créer le tournoi. Alors, attends. Le nom du tournoi, je vais mettre... Ok. Vous êtes prêts? Défier un mot de passe. Ok. Alors, je vous ai pas montré le mot de passe encore. Donc là, à partir de tout le monde va pouvoir rejoindre le truc. Va falloir mettre un mot de passe. Est-ce que vous êtes prêts? Merci Darkfight pour ta donnée. Merci beaucoup. GG maître, face à maître Gotha, merci mon ref. Merci Dark. Merci l'ange pour ton sub. Le mot de passe. Je vais vous le donner dans quelques instants. Je vais le créer là. Le nom du tournoi, c'est InoxCR. Donc vous l'avez tous là. C'est le nom du tournoi. C'est un tirage triple, les gars. Combat du tirage, c'est tirage triple. On est d'accord, c'est tirage triple. Combat du tirage, c'est tirage triple ou c'est tirage triple? Ah, tirage triple. Désolé. Je me suis trompé. Tirage triple. Inox CR, le mot de passe, préparez-vous à le mettre dans le chat, préparez-vous à tous rejoindre le truc. Comment on fait? Il y a un onglet dans Clash Royale pour que vous puissiez rejoindre un tournoi. Attends, comment on rejoint le tournoi? Attendez. Est-ce que vous savez tous comment on rejoint un tournoi? Alors attendez, je vais le refaire, j'ai envie qu'il y ait des gens qui puissent participer. Je vais essayer de trouver l'onglet pour jouer en tournoi, voir aucun clan trouvé. Si c'est un nom pour trouver... voilà, je vous montre comment on fait pour rejoindre un tournoi, le chat. Comme ça, on y va tous. Comme ça, vous pouvez tous participer. Vous allez sur la page principale du jeu. Vous allez dans, ici, les trois petites flèches. Vous allez dans tournoi. Et ici, vous allez saisir un nom. Donc, moi, je vais créer le tournoi. Vous mettez le nom du tournoi que je vais créer. Il va être affiché à l'écran. Et le mot de passe. Voilà. Maintenant, tout le monde a compris. Vous savez tous faire. Je redis. Page principale Clash Royale. Trois petits points. Tournoi. Ici, vous tapez le nom du tournoi. Et ça va vous en trouver un et vous mettez le mot de passe. Donc là je le crée. Le nom du tournoi c'est Inox. Je vais mettre tout en minuscule. Inox CR en minuscule. Description du tournoi, je t'aime. Définir un mot de passe, oui. Je vais saisir le mot de passe, je vous le dis pas tout de suite. Comme ça au moins tout le monde a la chance après de le faire. Voilà, capacité 1000. Durée 30 minutes. Tirage triple. Maximum de défaites. Okay. Vous êtes prêts les gars? C'est bon, tout le monde a compris? Allez, 3, 2, 1, je le crée. Pour tous ceux qui veulent participer au tournoi, faut mettre ça dans la barre de recherche. Et le mot de passe, c'est Inox22. À vous de jouer. Inox22, le mot de passe, let's go. T'as déjà un mec qui est connecté? Comment il a fait? Ah, c'est un mec de mon clan qui a réussi à join. Ah ouais, mais c'est les mecs de mon clan, ils ont réussi à join direct. Ils sont à l'affût. Hein. De toute façon, il y a 1000 personnes, donc il y en a 4 de mon clan qui ont réussi à join. Ok les gars, Inox22 pour join, c'est parti. Il y a déjà 16 sur 1000, 36 sur 1000. Vous avez encore le temps, Inox22 pour join, le nom du tournoi, InoxCR. C'est parti, celui qui gagne ce tournoi remportera une place en backstage pour le prochain tournoi All-Star Clash Royale, les BG. Merci à tous ceux qui sont là, qui s'abonnent, qui mettent la cloche, le pouce bleu. Déjà
Déjà? Le gars est déjà plein, le tournoi. Le tournoi est déjà plein, là. Il y a déjà 1000 personnes. C'est fini, c'est déjà... Les gars, ça a même pas duré 10 secondes. Ça a même pas duré 10 secondes. Bon, moi, les gars, la première place, vous pourrez refaire le tournoi après. J'en referai, hein. Là, on va tous jouer tous ensemble. On va tous jouer tous ensemble. Là, je vais jouer avec tous les mecs là. On va voir qui sera le premier. Et après, j'en referai un. Donc, ceux qui n'ont pas pu participer là, vous attendez dans 30 minutes, on refait un. Dès que celui-là est fini. Mais gros, avouez, c'est abusé. Je pense que ça va être fini dans 35 minutes, je pense. Mais c'est des malades. C'est des malades. Ils sont trop chauds. Ils sont allés trop vite, gros. Mec, non, mais c'est trop. C'est. Ok, vous êtes prêts? Le chat. Je veux un max de trophées dans le chat. L'icône trophée. Dès que vous êtes prêts, on lance le tournoi. Et on est parti. Là, il écrit début dans une heure, mais je vais commencer direct. Et bon, si je gagne, je refais un tournoi. Ça veut dire que si on gagne ce tournoi-là, ce que je pense que je gagnerai pas, je referai un tournoi. C'est-à-dire que celui-ci compte pas. Donc, soyez de mon côté dans le chat, parce que si je gagne, ça vous donne tous une chance de reparticiper. Par contre, c'est abusé comment c'est rentré vite. Hein. Trop de fake tournois. C'est quoi fake tournoi? Ah mais c'est pas un fake tournoi mon ref là. Je viens de le créer devant vous les gars. Donc c'est vraiment que les gens sont allés trop vite hein, les gars. Ok c'est parti. Pourquoi tout le monde dit full fake les gars? Arrêtez d'être... Les gars je l'ai fait devant vous le tournoi, y a rien de fake. C'est juste que vous êtes trop réactifs dans le chat gros. Y a que des fakes de merde. C'est quoi des fakes de merde les gars? Je comprends pas ce que vous me dites là. Attends j'essaie de comprendre les gars. Quand vous dites y a que des fakes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans le chat ça veut dire quoi ça? Merde j'ai pris la mauvaise carte. Fait chier. J'ai pris une mauvaise carte. Oh non. Ouais trop de fake. Mais c'est quoi trop de fake les gars je comprends pas. Je peux pas prendre PK là c'est trop dangereux je pense. TDE comme ça. Y a d'autres tournois. Ah ok y a des mecs qui ont créé des faux tournois. Oh les bâtards. En fait, ah ouais j'ai compris. En fait il y a des abonnés qui ont créé des tournois comme le mien pour que les gens se trompent. Oh les bâtards. Non ça se fait pas de faire ça. Comment je peux faire pour éviter ça pour après les gars? Merci Coralie pour ta blague. Gros dédicace Evan et Luna. Comment on peut éviter ça pour après les gars? Après moi mon tournoi il y avait un MDP les gars. Donc oh putain j'ai pas de win condition à part le fut de gobelin les gars. Il y a plein de tournois Inoxer. Bah après je sais pas comment on pourra faire pour éviter ça. Mais dans tous les cas il y en aura. Moi je mettrai tout le temps un mot de passe les gars, sachez-le. Il y aura toujours un mot de passe sur le mien. Dans la barque on met Inox, ouais. Il y a toujours des mecs qui font ça. Bon c'est pas grave les gars, si je gagne le tournoi on en refait un. Dans tous les cas on refera un tournoi après. Donc soyez à l'affût. Dans tous les cas après on refait un tournoi. Donc vous inquiétez pas, ne stressez pas, il vous restera une chance. C'est pas encore fini. Oh parfait, lui je pense que je peux gagner. Ok. On va mettre ça là, ça là. Parfait. Le double barbare a bien été géré de mon côté. Ah, tu montes tout au dernier moment. Bah j'ai fait exprès de montrer au dernier moment là, mais malgré le fait que je montre au dernier moment, il y a quand même des gens qui ont réussi à... J'ai combien de specs les gars là? Comment on voit le nombre de specs que j'ai sur ma game? Ok, parfait. Pour l'instant, notre game commence bien, le chat. Hein. Venez, on essaye de gagner le tournoi. Merci les bagas pour ta donnée. On va essayer de gagner le tournoi, les gars. Ok, lui, il a... Pourquoi il a gelé mon... Merci à Falix pour ton sub. Merci beaucoup, mon ref. Ok, lui, il est nul, je pense, le mec en face. Hein. Je pense que là, on a gagné, les gars. Vite qu'on le termine, vite, là. Merci à tous ceux qui sont sur le live, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Ça fait plaisir, les gars. On va terminer ça, là. Hop la tour à droite, ouais bon il est nul le mec en face hein. 400 specs, il y a 500 specs les gars sur mon tournoi. Sur ma game, il y a 500 specs, c'est quoi ce bordel? Comment les gens ils peuvent me spec? Enlève ton écran quand tu choisis tes cartes. Ah oui sinon les gens peuvent... Ah non mais il y a un peu de délai sur mon live en vrai. Donc il peut pas savoir exactement. Je pense en tout cas. On va vite terminer cette game un peu éclatée là. Wesh les gars, Théma, il y a 500 specs sur ma game. Les gars, c'est quoi ce bordel?
Ouais, bon, lui, tu vois, par exemple, pourquoi il a join le tournoi pour rien? Parce que lui, il était vraiment claquax. Merci d'être beaucoup sur le live. Vous êtes 21 000. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir. Non, mais moi, je vous parle in-game, pas mon live. Pas mon live. Je parle dans le jeu. J'ai combien de spec? Allez, c'est parti, les gars. Venez, on s'entraîne. En plus, c'est bien, ça nous entraîne pour le tournoi. Le tirage contre d'autres gens et tout. Donc, c'est pas mal en vrai. Faut qu'on fasse que des wins. Le but, faire que des wins. Là, je vais tenter. En vrai, je suis nul avec le golem. Faut que j'apprenne à jouer. Dans le chat, vous êtes chaud, vous m'apprenez à jouer le golem ou pas? Vous êtes chaud, vous me donnez des conseils golem? Parce qu'en vrai, je suis bien chaud d'avoir des conseils golem. Je pense qu'on va taper barbare. Mais là, mon deck coûte vraiment trop cher. Là, j'ai un deck qui coûte vraiment, vraiment cher. Je pense qu'on va taper les gargouilles. Hein. Ouais, j'ai un deck trop cher. Ok. Les gars, le golem, faut vraiment que j'apprenne à jouer. Donc je vais prendre mon temps, je vais le balancer. Je vais essayer de le balancer là. On va voir comment on va le jouer. Le mec en face normalement a pas de TDE. Mais c'est vrai que le golem, je suis éclaté. Faut le jouer en fond de map, c'est sûr. Je pense en tout cas. Ça là, je le tue comment lui? Tu vois, lui, je mets ça. Je pense pas que c'est bien barbare pour défendre ça. Hein. Ouais, tu vois, mes barbares, ils meurent direct. Ok, plus jamais le barbare là. Plus jamais. Ok, je suis dans la merde. Tu mets golem en x2. Golem en x2, ça doit être ça. Ça doit faire pas mal de dégâts en vrai. Mais là, faut. Ok, golem zappi. Les gars, c'est un bon combo, golem zappi ou pas le chat? Genre, je mets le zappi derrière et je mets le golem au pont. Oh non, j'aurais dû garder ça pour son fuite gobelin. Golem zappi, je le tente ou pas? Golem zappi, golem au pont. Genre zappi et je balance le golem au pont si j'ai des grosses couilles. Je le fais ou pas? Je pense que je vais le tenter. Voilà. Son mousquetaire, en vrai, il va pas faire long feu hein, quand je vais mettre le golem. Oh là là, c'est risqué. Oh alors ça c'est un move de mec qui a des couilles. Ah, il a bien placé son truc. Normalement ça va le faire. Hein. Ah non. Ah, il joue bien en face. Il a bien joué en face. Ça aurait été stylé en vrai. Mais en x2 je vais faire plus de dégâts. En x2 j'aurai un bon combo. Normalement mes barbares ils font le taf, non? Oh, j'aurais. En fait, fuite barbare, je suis con. À chaque fois, j'ai mon fuite barbare. Ok, parfait. Ok, x2, les gars, c'est parti, à moi de jouer. x2, faut que je fasse du sale. Faut taper Inox. Hop, c'est bon. Je vais mettre mon golem. J'attends qu'elle se fasse défoncer. Oh non. Oh là, j'ai un de ces combos, frère. Oh non. En fait, il est éclaté mon combo. Je pensais il était bien, mais il est éclaté. Qu'est-ce que je dois faire là? Oh là, ça craint là. Je vais retenter, attends. Faut juste pas qu'il me mette une boule de feu. Ok, attends. Je vais niquer sa tour, il est mort. Attends, mais là ça craint là. Putain, mais en fait sa tempête elle me casse les couilles, les gars. Il a de quoi défendre en fait. Là il va m'atomiser là. J'ai plus de tour là. Ok, faut que je prenne mon temps. Ok, je vais me concentrer, je vais prendre mon temps. Je vais mettre mon zappi. Il me reste 1 minute 30, c'est ce push ou rien. Hop, là je vais jouer avec mon golem. J'ai mal joué. Oh non. Oh non, j'ai fait de la merde, j'ai mal posé ma bûche. Oh non. Oh non, j'ai mal posé ma bûche. Oh la merde. Mais tu vois, golem, les gars, je sais pas jouer golem. Deck golem, je sais pas jouer. Un à droite, un à gauche. Ouais, en vrai, c'est cheaté, mais.
Je sais pas jouer deck golem, les gars. Je suis éclaté. Ah, ça fait chier de perdre un match. Je suis combien thème là? Vous avez eu le temps de voir? Je suis combien thème dans le tournoi? Pêcheur, j'aime bien jouer. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus sur le live. Ça fait plaisir, les gars. Ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Merci aussi. Ok, là, c'est un deck de gagnant, ça. Ça, c'est un deck de winner, je vous le dis. J'aurais peut-être dû prendre hutte de gobelin. En vrai, de vrai. Non, en vrai, là, j'ai un bon deck. En vrai, je vais pas chialer. J'ai un bon deck. Dommage. Ouais. Zap golem, c'est chaud. Zappy golem, c'est chaud. Golem plus électrocution ou foudre pour la prochaine. Quand je prends golem, les gars, faut que je prenne quoi la plupart du temps avec? Pour vraiment que j'arrive à push. Un électrocution. Merci Scar pour ta donate. T'as rien raté, mon ref, c'est le début là. Merde, j'ai perdu un peu de temps. Je suis 180ème sur 1000 là. Ok, on va devoir se la tuer un peu plus là, les gars. Ok. Là pour l'instant, j'ai pas le bon roulement de cartes. Bonne chance. Cimer, on va lui dire merci. Ok, il a un canon. Donc ça passera pas. Mais c'est pas grave, j'ai mon géant royal. Du coup, il a plus de quoi défendre mon géant royal. Enfin, il a de quoi défendre, mais je vais obligatoirement toucher sa tour. Ok, parfait. L'électro, normalement, qui va tuer les gobelins. Ok, non, il a mis un Valkyrie. Enfin, il a la bonne petite défense, hein. Ok, parfait. On va ramener la Valkyrie de notre côté. Merde, j'ai mal joué. Bon, en vrai, c'est pas grave, ça fait quand même des dégâts. Vous aimez bien tournoi avec les abonnés, le chat? En vrai, c'est cool, ça change. Je m'entraîne contre des abos, je m'entraîne à jouer contre d'autres types de joueurs. Ça m'entraîne, je pense. Le problème, c'est que là, je peux rien faire. En fait, j'ai pas de carte pour push, vraiment. Ah ouais, j'ai niqué ma boule de feu, merde. C'est pas grave, je vais lui mettre un coup de PK. Je vais mettre un coup de mini PK là, dans sa tronche. Je suis mort. Ok, attends. Oh, la défense. Le chat. La défense est incroyable. En vrai, la défense était incroyable, non? Est-ce que la défense était gérée de ouf? En vrai, franchement, je suis fier de ma défense. Bon, lui, il m'a niqué. Ça va être chaud de push là. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que la machine volante va aller sur le canon? Ok, la machine volante va sur le canon. Merde, j'ai fait de la merde. Me dis pas que je perds la tour sur ça. Un peu risqué ce que j'ai fait là, à mettre mon PK comme ça. Ouais, un peu risqué. Ok, c'est pas grave, jouons concentré. Ok, parfait. Ok. Ok, il faut mon mini Kepa, mon mini PK, mon électro zap. Là, je peux choper la tour d'ici. Avec un peu de chance, je peux la choper. Oh oui! Oh oui! Oh oui, les gars! Boule de feu, vite, 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 vite! Ok, c'est bon, il a pas vu le barbare là-bas, il a pas vu? Oh non, si, il l'a vu. Attends, faut pas que ça vienne là. Oh, ça craint. Vite. Prends-le. Let's go. Let's get it. Oh là là, c'était chaud. Merci Véronique pour ta donate. Let's go, les gars. GG. Oh, c'était chaud là. Cette fat game, on a bien joué. Le pêcheur qui a fait le taf de ouf sur l'électro géant. J'adore. J'aime bien quand ça se passe comme ça, bébé. On les fume, nous. Oh, je suis 200ème, en vrai c'est pas ouf. Il a combien le premier là? Il a combien de wins déjà? Il a déjà pas mal de wins, je crois. GG les gars, GG. Ça fait plaisir, on a bien joué. Le but, perdre le moins de combats possible. Le pêcheur les gars, il fait un taf monstrueux, le pêcheur. Utilise sorcière de la nuit, tu mets derrière le golem. Ok. C'est vrai que, ou sorcière aussi, ça fait le taf. Ok, fournaise, moi j'aime bien les gars. Là il me faut un tank. Ok. Alors, comment je vais la jouer?
Je pense que je vais prendre ce risque-là. Je vais jouer avec la fourreuse, ouais. Le combo zap golem, c'est un move lent et dur à jouer. Ok, c'est parti les gars. Bonne chance à tous, let's go. Allez, c'est parti. On balance un mineur. En fait, moi, là, j'opte pour un deck grattage. Tu vois, c'est parfait parce que, tu vois, ça horde. Ok, parfait. Il joue golem comme ça. Il va me donner beaucoup d'élixir. Hein. Fist fail, il me donne énormément d'élixir. Wesh, c'est trop cheaté son truc là. Ok, parfait. Normalement, on gagne pas mal d'élixir. Ok, j'ai une petite armée qui arrive, plus une foreuse. Mais lui, il a pas mis de... Ouais, voilà, double barbare, je suis mort. Ah non, c'est bon, ça fait le taf. Ça fait le taf, je le gère. Mais pas de coup, parfait. Ok, ma foreuse a pas trop gratté en vrai. Je pense qu'il faut faire combo foreuse mineure. Vous en pensez quoi, le chat? Foreuse mineure? Moi, j'adore les mineurs. Merci, Vap. Merci, Véronique. C'est une carte que j'adore. Bizarre, dit comme ça. On va caler notre petite princesse qui va faire un peu office de tour. Oh, merde, j'ai mal mis. Okay, c'est pas grave. Faut vraiment qu'on mette la pression avec les fournaises et le mineur. Okay. Voilà, parfait. Ça gratte vachement son petit truc là. Ok, mineur fourraise, on va voir ça si ça fait le taf. Oh là là, je crois que je vais faire très mal à la tour là. Oh oui, ça fait le taf. Oh bien sûr que ça fait le taf. C'est monstrueux les gars, c'est monstrueux le push qui passe. Ça passe pour le joueur français, let's go. Et en plus on passe en x2 élixir. Donc on peut commencer à tenter d'aller attaquer de l'autre côté. Ok, double barbare, je m'y attendais. Comme si c'était hier. Mais regardez, c'est géré avec une maîtrise parfaite. Bon, j'aurais pu mieux faire. Ok. On envoie foreuse. Ok, il a vraiment envie de choper cette tour là lui. On va essayer de l'empêcher de la choper. D'un côté, moi je push un peu la tour, l'autre tour. Ok, donc il a vraiment la dalle. Il balance ses deux petits sbires. Ok, je perds pas la tour, je perds pas la tour. Parfait les gars, ça. Je prends la deuxième tour, comme ça il aura jamais le temps de gagner. C'est parfait, la deuxième tour elle va être prise avec easy, aucune difficulté. Parfait, 2 étoiles, let's go les gars, let's go. On commence à gérer les decks là. Vous avez quoi à me conseiller dans le chat pour m'améliorer là? Genre, est-ce que vous voyez des erreurs souvent que je fais? Vous avez quoi à me conseiller? Ok, tout le monde a 4 victoires quasiment. Moi j'en ai 3 là. Garde la boule de feu pour les barbares d'élite. Ouais, bah c'est ce que j'avais essayé de faire. Moi la foreuse je l'aime bien en vrai. On va prendre ça parce que j'aime bien le jouer. On va prendre ça parce que j'ai vu qu'il avait le méga chevalier. Ça. Méga chevalier, c'est lourd si on joue avec le pêcheur. Maintenant moi faut que je prenne des trucs pour tanker un peu là parce que j'ai pas de quoi tanker. Là il me faut un tank. Ah ouais, je suis mort. Je suis mort. Ma win condition c'est la foreuse. Placement. Tes placements, t'es trop confiant, gère ton timing, tu fais beaucoup de fautes de stress. Place bien tes cartes. Tes placements, ok. Ok, je vais essayer de bien placer mes cartes alors. Ok, là on va caler la foreuse ici. Ok. Alors, il me met une boule de feu pour ça. Ok. Espace tes troupes en défense pour éviter de se reprendre avec un seul sort. Ok, donc faut vraiment que j'arrive à trouver la façon d'espacer mes sorts quoi. Enfin mes troupes. Ok, elle normalement je la gère tranquille. Mais il y a quand même je pense que je peux mettre le fût à barbare là. Je vais mettre le fût à barbare, ça va tuer les archers. Ah même pas, ça tue pas, ok parfait. Si mon canon arrive à aller là les gars, c'est free win. Ok dommage, je vais pas passer. On va jouer la Tesla. Je sais pas où je dois la placer la Tesla. Je pense que je l'ai mal placée. Ok, j'ai mis la Tesla pour rien les gars. C'est quoi ça? Ok. Normalement il est mort. Il active ma tour du roi.
Comment je fais pour qu'il active ma tour du roi, les gars? Comment je fais pour qu'il active ma tour de roi, le pêcheur? Le mineur. Ok. Je pense qu'on va claquer la foreuse. Son dragon, là, je peux rien faire contre. Ouais, je peux rien faire contre son dragon, là. Peut-être une Tesla pour son dragon. Je pense, une Tesla. On va caler la Tesla. Ouais, la Tesla, c'est le seul truc qui peut défendre. Ok, j'ai mon dragon de l'enfer. Normalement, c'est bon, c'est défendu tranquille. Son mineur, je vais devoir le gérer. Les gars, tu pourras pas... Ah, je peux pas le faire taper la tour. Tu l'as mis trop tard. Tu dois mettre un coup. Tu le mets devant ta tour. Devant la tour principale de droite. Attends, je lis pas le chat, parce que sinon je vais perdre, là. En fait, j'arrive pas à savoir où je dois le mettre, le pêcheur. Tu peux pas le pêcheur qui va prendre les... Ouais, c'est le pêcheur qui va se faire taper. Ouais, je peux pas. Ça marche pas, je pense. Merde, j'ai activé la tour du roi. Ok, on va placer la Tesla. Faut que je me concentre parce qu'en vrai, je peux gagner. En vrai, je peux gagner, là. Faut juste pas que je fasse le con. Faut bien que je place mes cartes. Pas tous au même endroit, comme vous m'avez dit. Plus de barbares. On passe foreuse gobelin. Mon mineur. La foreuse qui tape quand même pas mal, hein. Parfait, la foreuse. On va rebalancer un canon. On va rebalancer une artificière. Fût de barbare pour faire le ménage. En vrai, le fût de barbare, c'est con. J'aurais pas dû l'envoyer, t'as vu. Foreuse à gobelin. Est-ce que la foreuse fait des dégâts, là? Je crois pas, hein. Ok, j'ai deux artificières, ça fait le taf. On va mettre un petit poison là-dessus. On balance une foreuse. Le pêcheur qui va me virer ce mineur. Avec un peu de chance, c'est fini, à plus tôt. Voilà les gars, concentration au niveau max. Let's go, GG le chat. On est bon, pour l'instant on fait zéro lose là. J'ai pris une lose tout à l'heure, mais là franchement je pense qu'on joue bien. J'ai juste niqué un peu des cartes pour rien sur la fin. Mais on a 4 wins. C'est bientôt la fin du tournoi. Je suis top 14 les gars. Je suis à 14ème place, sur 1000 je suis content en vrai, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu sur 1000, hein. En vrai de vrai, je suis plutôt content. Ok. On va essayer de se faire un bon deck. Merci pour les GG le chat. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Je pars au ski ce soir. Tous ceux qui veulent suivre mes aventures, c'est sur Instagram, les BG. Pense positif et tu seras premier. C'est beau comme parole ce que tu viens de me dire. Pêcheur. Moi en vrai, j'ai envie d'être un joueur pêcheur. J'ai envie, quand je le vois, je le prends, t'as vu. Maintenant, j'ai pas trop de win condition. Là, j'ai le fût. Enfin, j'ai le fût de squelette comme win condition. Ah, je suis 68. Je pensais que j'étais 14. J'avais vu 14, moi. Oh merde. Alors là, j'ai niqué l'élixir dans le vide. Ok, la voleuse avec mon deck, je suis censé la défendre comment, le chat? Ok. Normalement, il y a moins que ça passe. Oh putain, il a lui. Lui, les gars, je le déteste. Ok, pas grave, j'ai pu mettre une charge. Ah, j'ai pris 14 places, d'accord, ok. Je pensais que j'étais place 14, d'accord. Non, en fait, je suis monté de 14 places, ok. Lui, il me fait chier, les gars, il me fait chier. En fait, il a que des cartes que je peux pas taper directement. Genre voleuse et truc invisible. Est-ce que je peux mettre un petit coup sur la tour, là? Ah ouais, il connaît les placements. Lui, il connaît les placements. Je sais pas comment je vais faire. Ok. C'est pas grave, les gars. On va se concentrer. On va trouver une... Les gars, comment j'attaque, là? Vous avez une technique ou pas? Merde, je suis parti du mauvais côté. Ok, il a pré-shot avec les flèches. On va mettre le cava bélier. Ça va le ralentir, lui. Oh,
normalement j'ai bien placé mon... ma meuf. Putain, mais la voleuse elle est trop forte en fait. Je peux pas gagner, j'ai pas le bon deck là les gars. Je peux pas gagner là, c'est fini. Ma boule de feu, faudrait peut-être que je la cale en fait, mais... ça va être dur de gagner là. Moi je peux rien faire. Moi je peux rien faire là. Ah ouais. Faut que je mette une boule de feu sur cette pétasse de voleuse. Ah ouais mais mon... ok j'ai capté ce qui s'est passé. Ok je tente le rush là. Je tente le push. Ah mais mon pêcheur il me la ramène. Quel con. Calmos le rat. Merci mon ref pour ta donate. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Attends là je commence à avoir une petite armée là. Avec un peu de chance ça passe. Ah non. Dommage. Sur un coup de tête ça aurait pu passer. Ah sur un coup de tête ça aurait pu passer. T'as perdu, ouais c'était sûr là. Dommage. GG. GG à lui, je pense que le tournoi est terminé là, non? Les gars, le tournoi il est fini ou pas? Ça fait combien de temps? Ah, j'ai mal joué là, ce tournoi là. Ok, j'ai combien de victoires moi les gars? Dans le tournoi? Ah, il me reste encore 5 minutes. 5 minutes il reste. Je pense que c'est ma dernière game les gars. Du tournoi. Terminé dans 5 minutes. On va jouer avec ça. On va prendre ça. Bouliste, moi je kiffe jouer le bouliste. Après lui il a un zappi donc on va tenter la glace pour le zappi au cas où je suis dans la merde. Ça c'est pas mal. Ok. On va le tenter avec le giga raciste hein. Hop. En vrai j'ai mal win en vrai. J'ai mal joué les gars en vrai je pense. En vrai en fait je sais pas si j'ai mal joué ou je pouvais rien faire. Le chat, j'ai mal joué ou je pouvais rien faire? Je pense que je pouvais pas faire grand chose non plus les gars hein, en vrai. On va poser notre petite cage à gobelins. Parfait en plus. Hop là. Ok elle va partir à droite donc logiquement. Ouais mais faut que je mette mon boost ici. Grosse dédicace Adnan Orni mon ref. Ici on va péter cette petite fournaise qui va vite nous saouler. Bouliste avec lui, on va voir si ça fait le job. Ok, ça fait pas le job. Je pense j'ai fait, j'ai les deux. Je pouvais pas, j'ai mal joué, je pouvais rien faire, je pense. Je pense qu'il y a les deux. Il a un bâtiment en défense ou pas? Ouais, il a fournaise lui. Donc, mon électro géant, faut que je le mette quand après que sa fournaise elle soit détruite. Je pense. Hein. Parfait. Bon, ça c'est counter. Merci beaucoup Marsuf. Ok, il a un zappi. Il a un zappi. Comment je le gère son zappi les gars? Ok, je vais tenter un truc. Va tirer sur la petite boule de feu normalement. Oh j'ai bien joué. Oh j'ai bien joué. Oh c'est parfait. C'était parfaitement joué je pense. Et en plus j'ai mon artificiaire derrière qui est encore en vie. Oh non il a une arme de squelette. Putain j'arriverai pas à taper sa tour. Attends après j'ai l'électro géant. Je l'ai pas encore mis. J'attends le x2. Après peut-être qu'il est sur mon live et qu'il sait que j'ai l'électro géant non? Vous pensez il sait que j'ai l'électro géant ou pas? Il y a moyen qu'il sache que j'ai l'électro géant. Je vais partir des deux côtés les gars. Ouais mais je peux rien faire. Sa bourlingueuse elle me fait trop mal. Ouais, c'est trop chaud. C'est trop chaud là. Ça commence à être tendu. Ouais, je pense qu'il sait que j'ai électro géant. C'est sûr, il sait.
Ok, pas grave les gars. C'est pas grave. Non, ne le tue pas lui. Putain, je peux rien faire. Je peux rien faire les gars. Merci mon ref. Ouais, c'est trop dur là. J'arrive pas à gérer. Il a tout pour me counter là. Ah, il a tout pour me counter. C'est trop dur. Emma, il pré-shot la bûche et tout. Ouais, je peux rien faire. GG. J'aurais peut-être dû mettre électro-géant sur le zappi, mais. Je savais pas si l'électro-géant zappait le zappi en fait. Je savais pas. Je viens de voir un message dans le chat qui me disait que c'était ça. En fait, l'électro-géant, quand je le mets sur le zappi, ça reset le zappi, les gars. Je savais pas. Hein. Je l'aurais fait sinon. On va prendre foudre. PK. Merci beaucoup, Hugo. Merci, mon ref. On va tenter PK cimetière. Hein. PK cimetière, ça peut être pas mal. Hein. Oh non, mes cartes coûtent trop cher, putain. Oh, j'avais pas vu. Oh, je suis mort. J'avais pas vu. Non, mais j'ai mal joué, les gars. Désolé. Non, ça le fait pas. Ah, ok. Pourquoi il y a un mec qui m'a dit ça, les gars? Il y a un mec qui m'a dit tu mets le géant, ça reset le zappi. Eh, je vais la virer parce qu'elle va me saouler sinon. Putain. Comment ça se fait que ça le tue pas? Je comprends pas. Faut pas qu'il meure mon sorcier. Parfait, il est pas mort. Ok, boule cimetière, on l'attente. Merde! Elle a elle! Je suis mort! Oh, je suis mort! Je peux plus jouer le cimetière, les gars! Je peux plus jouer le cimetière! Ou sinon, faut que je la tue direct! Si ça marche, ça reset! Ah, ok! Bah, en fait, y en a, ils me disent oui, y en a, ils me disent non! Ok, le boulis, normalement, il me gère ça! Hein. Ouais, voilà, ça fait pas long feu! Ok! L'artificière, me dites pas qu'elle tue pas le ballon. Non, c'est catastrophique. Normalement, le ballon là-haut, il dégage. Ça va être dur. Ça va être dur. Faut jouer intelligemment. On a le temps. Je vais faire partir mon PK au fond de map, là. C'est parti. PK au fond de map. Avec bouliste. Et qui va me gratter à la. Voilà, il va me gratter avec ça. Le problème, c'est que je peux pas mettre mes petits. Ah, il m'a défoncé. Il m'a counter de ouf, là. Je peux rien faire, là, les gars, en fait. Je pouvais rien faire, j'avais pas le bon roulement. Ok, c'est parti. Il a mal posé son. Oh là, j'ai l'armée. Là, j'ai l'armée de mon côté. Là, j'ai l'armée. J'ai le PK. Ça part sur la tour. Ah ouais, il a fait une. Oh non. Double archer derrière Boulis. Ça va faire trop mal. Il met une boule de feu. J'ai plus rien. J'avais pas capté ça. C'est bon, il a plus de tour. Parfait. Il y a juste à défendre. On met un PK devant. GG les refs. GG. Merci dans le chat ceux qui ont été là pendant ce petit tournoi. Je pense qu'il est terminé en attente de la fin des derniers. Donc là les gars, il reste quelques mecs en game encore. On va attendre que ça se finisse. On a fini combienième les gars? On a fini combienième? Moi j'ai combien de victoires? J'en ai 6 je crois. Comment on voit où je suis combienième les gars?
Il y en a qui ont 8 victoires. Et pourquoi Quarry, par exemple, est premier? Pourquoi il est premier dans le clan, là? Enfin, dans le tournoi. Pourquoi il est premier? Parce qu'ils ont tous 8 victoires. C'est quoi qui les départage? Merci, les gars, pour les GG. Merci, les frérots. Merci pour les GG, les gars. On attend... Oh, mais il y a Walefou. Ouais, il y a Walefou, les gars. Il y a Walefou dans le tournoi. Putain, Quarry, c'est quoi son deck? Quarry est maître 1, 6000 trophées. Niveau 14, et c'est ça son deck. Il est bien son deck, les gars, vous en pensez quoi? En vrai, il est bizarre son deck. Il a pas de tank. Genre, il peut gagner avec ce deck-là, les gars. Comment il gagne avec ce deck? Il a pas de win condition, là, si? Wesh, son deck, il est bizarre. Il a 6000 trophées avec ce deck. Les couronnes, ok. C'est les couronnes qui... Mais les gars, son deck, il est pas ouf, lui, non? Vous le trouvez d'art? Vous êtes casse Ricardo, mon frérot, merci beaucoup. Merci Hugo, t'es un crack. Ta meuf te kiffe plus que me kiffe plus que toi. C'est honteux ça, Marsu. Il est connu ce deck là. Bon deck, bof, éclaté, trop fort. Il est trop chaud le deck. C'est le plus connu du jeu. Cimetière. Bof. Mais attends, mais comment il gagne avec le cimetière? Si c'est méta, il est bien. Chevalier cimetière. Mec, c'est choquant que son deck il gagne. Putain. Alors, c'est qui le premier du tournoi? Ok, c'est toujours pas fini. Le deuxième du tournoi? Ah ouais, lui, il a mis de l'argent dans le jeu, je pense. C'est cartel brie, carrément. Lui, c'est ça son deck à lui. Ok. Lui, tu vois, il a un deck, je me dis, il a plus de chances de gagner. Après, il coûte cher, non, son deck? 4.3? Comment il gagne avec 4.3? Il a combien de trophées? 6700. Léo. Ah ouais, Léo, les gars, il est très chaud. Hein. Ah ouais. Lui aussi, il a un bon deck, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un deck. Je vois un mec gagner avec ça, tu vois. Après, il a pas tant de trophées que ça, tu vois. Ok. Alors, il reste qui en game, là? Il reste un mec. Deux mecs. Oh! Votre classement 210. Bon, je suis 210e. C'est pas ouf. On a encore... On a encore du travail à faire, les gars. Je pense que c'est parce qu'on a perdu 3 games, donc ça nous a mis bien dans la merde. Et le premier, les gars, c'est Quarry. Un max de GG à Quarry dans le chat, qui a 6000 trophées et qui a ce deck-là. Quarry, on va se contacter, je sais pas comment, mais j'ai ton compte Clash Royale, je vais le donner à Clash, et je crois qu'ils vont pouvoir avoir tes coordonnées ou j'en sais rien. En tout cas, Quarry, mets-moi un tweet ou un truc comme ça pour me dire que c'est toi qui as gagné ou un truc comme ça. Tu me montres une preuve que c'est ton compte ou quoi. Dans tous les cas, moi, tu vas recevoir un mail de Clash. Donc hop, je screen pour le live et c'est carré. GG Quarry en tout cas, GG. Dans le chat, tout le chat t'applaudit. Tout le monde a kiffé ce petit tournoi. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci beaucoup, Eti. On peut pas m'ajouter sur Clash, mon ref. GG Quarry, GG à tous les participants. Merci d'avoir participé. Et je pense, les gars, qu'on va pouvoir en recréer le chat. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième tournoi et le dernier de la soirée? Celui qui remporte ce deuxième tournoi va pouvoir venir en backstage avec moi pour le deuxième tournoi Clash Royale qui sera en live sur ma chaîne avec tous les invités qui seront annoncés dans les jours à venir. Quarry, tu vas donc venir à Webedia le jour du tournoi et il va y avoir un autre abonné qui viendra avec toi, celui qui gagne le deuxième tournoi. Bien sûr, si c'est encore Quarry qui gagne, on refera un tournoi. Ou si c'est moi qui gagne, on refera un tournoi. Mais je pense pas que je gagnerai. Ok les gars, c'est parti. On va créer un deuxième tournoi. Le nom du tournoi, je le donne pas tout de suite, sinon il y aura des fakes. Je vous mets pas le nom du tournoi tout de suite. Description du tournoi, je mets je t'aime. Définir un mot de passe, oui. Je le mets pas tout de suite non plus. Comme ça il n'y a pas trop de fakes direct. Le mot de passe, je vais mettre qu'est-ce que je peux mettre? Ok. Ok, c'est bon. J'ai mis le mot de passe. Capacité 1000. Durée, hop. Triple tirage. Maximum, ne faites aucune. Ok. Vous êtes prêts, les gars? Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Je vous mets le nom du tournoi. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi prêts, j'attends un peu pour ceux qui sont pas encore prêts. J'attends un peu. Ding 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 ding.
J'attends un peu, je suis patient. Dès que vous me dites prêt, on y va. Dès que tout le monde me dit prêt, on y va. Préparez vos téléphones, préparez-vous à join. Le nom du tournoi, je l'ai pas encore donné, mais je vais vous donner le mot de passe pour que vous soyez direct prêt. Ok? Le mot de passe, c'est Inoxtag 2. Tout le monde a noté, Inoxtag 2, c'est le mot de passe. Inoxtag 2, c'est le mot de passe. Le nom du tournoi, c'est... CR22. C'est parti. C'est parti, c'est créé. CR22, mot de passe, Inoxtag 2. Bonne chance à tous. C'est parti, à vous de join. Ne vous faites pas voir par les fakes. Faut être le plus réactif possible. Le mot de passe, Inoxtag 2. Et le nom du tournoi, vous l'avez juste là, les gars. Je vous attends, les BG. Je vous attends très sagement. Il y a déjà 28 sur 1000. Là, ça va monter d'un coup. Là, il y a déjà 100. Et ça, là, c'est fini. Le tournoi va être plein bientôt. Là, déjà 140. Tout le monde commence à join. Inoxtag 2. Ouais, 400. Ouais, ça monte trop vite, les gars. C'est en 15 secondes, il est plein le machin. 700. Ok. Bon, bah, je pense que les gars. Qui a réussi à rentrer dedans là dans le chat? Il y a des gens qui ont réussi à rentrer ou pas? C'était mon premier pseudo YouTube, les gars. 1000 sur 1000. Bien joué à tous ceux qui ont participé. 3. Ah, non, c'est vous le chat. Je vous laisse mettre des flammes dans le chat quand vous êtes prêts, qu'on lance le tournoi. C'est sûr, il y en a qui n'ont pas pu join malheureusement, mais tout le monde ne peut pas participer. Je fais en sorte que tout le monde vous puisse participer. Malheureusement, c'est sûr qu'il y en a qui... Voilà, il y en a qui sont plus rapides et je peux pas faire pour tout le monde, les gars. Mais ok, les gars, c'est le deuxième tournoi. Si je gagne, on en refait un. Et si Quarry regagne, qu'il a été dans le tournoi, on en refait un. Vous êtes prêts? Je lance le tournoi, dès que vous mettez un maximum de flammes, je lance le tournoi. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, qui sont sur le live, qui s'abonnent, qui mettent la cloche, ça fait plaisir. 3, 2, 1, c'est parti. Let's go, on commence. Directement, perd pas de temps. Le but, pas perdre aucune game. Le chat, je compte sur vous pour m'aider à perdre 0 game. Donnez-moi les astuces dans le chat, mais franchement, faut qu'on perde 0 game. Alors là, je sais pas quoi jouer, tu vois. Là, quand j'ai un choix comme ça, je dois choisir quoi dans le chat? Parce que lui, je me dis qu'il peut être utile pour vesquer un tank. Ça, c'est un bon mini tank qui tire aussi. Et ça, c'est un bon mec qui défend. Je joue quoi, à votre avis, là, les gars? Je prends quoi, là, par exemple? J'ai trop le seum. Je suis désolé, les gars, pour tous ceux qui n'ont pas pu participer, mais... Les gars, je fais tout pour vous. Je fais tout pour essayer que tout le monde participe. Malheureusement... Je peux pas corriger tous les mecs qui font des fake tournois et tout. J'essaye de faire le max pour vous. Faut pas m'en vouloir s'il y a des fakes et tout. C'est pas ma faute, ça, les gars. Je suis désolé, en tout cas, le chat, hein, s'il y a des mecs qui font des fake trucs et tout, mais... Fait chier, ouais, mais je sais, les gars, pour certains. Mais en vrai, les gars, j'essaye de faire participer tout le monde. Mettez-vous à ma place, c'est compliqué. Déjà, je trouve ça cool qu'on fasse des tournois tous ensemble. Je pense que j'ai fait participer 2000 abonnés. Oh non, merde, j'ai pas le temps de choisir, j'ai trop parlé. Bon, ça va, il m'a pas mis un truc trop dégueu. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas à moi, les gars, parce que je fais tout pour que vous soyez un max à participer. Ok, comment je défends, lui? Comment je défends, les gars? Alors là, je suis dans la merde. Comment je le défends, lui? Avec mon deck. Ah ouais... Chevalier. Ok, bah je l'ai bien défendu en vrai. Je me suis bien débrouillé. Hein. En vrai, les gars, on a géré cette défense. Hein. Défense en béton ou pas? Défense en béton. Hein. Défense en béton. On a nos petits zaps. Parfait, ça fait le job. Parfait, les gars, on a défendu magnifiquement. Go faire 1 million de places. Un tournoi avec 1 million de places. Ça serait incroyable en vrai. En vrai, le chevalier il défend de ouf le méga là. Alors là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je pense que le zap était bien joué, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'il était bien joué mon zap, les gars? Merci beaucoup, Kylian. Je suis désolé, hein. Je peux pas faire plaisir à tout le monde. Merci beaucoup, Kylian. En tout cas, t'es compréhensible, ça fait plaisir, mon ref. Merci, mon frérot.
Alors je sais pas si le poison était bien là. Ok, parfait. Mais attends les gars, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il y a 500 mecs qui me spec? Ils sont pas censés être en train de jouer les 500 mecs qui me spec, le chat? C'est une question. Vous savez pourquoi ou pas? Ah, là, je suis dans une belle merde. Oh, je fais un move. Oh non! J'ai fait ce que je voulais faire! Je perds ma tour. Ok, c'est bon, je vais pas perdre ma tour. Ah, mais à gauche, il a pas défendu. C'est bon, on est sur une win normalement. Normalement, c'est win. Je vais cover. Si, mais il joue pas, c'est toxique. Ah, il joue pas! Normalement, ils sont censés jouer, non? Bah, c'est 500 qui font pas le tournoi, mais. Mais c'est-à-dire, ils sont dans le tournoi, mais ils jouent pas. Oh ouais, non, c'est pas bien de faire ça. Ils sont là. Mais en vrai. Pourquoi ils me spec alors qu'ils peuvent très bien regarder mon live? Ça, tu vois, c'est des égoïstes. Est-ce que j'ai parlé français, le chat? Est-ce que j'ai parlé le bon français de Molière? Que c'est un comportement d'égoïste. Il y en a, ils sont là, ils se la tuent pour essayer de venir dans le tournoi. Et t'en as, ils prennent la place juste pour me regarder une game. Vous êtes gentils, le chat, hein, ceux qui veulent me regarder une game. Mais le but, c'est que tout le monde participe. Je trouve ça égoïste. Ok, là je dois prendre quoi, le chat, par exemple, sur un tirage comme ça? Est-ce que le prince invisible est vraiment bien? Est-ce que je prends le mec à gauche? Parce que lui, je joue pas souvent. Ils peuvent peck sans être dans le tournoi. Ah d'accord, ok. Ils peuvent peck sans être dans le tournoi. Mais c'est pour... Il y a des gens qui me disent que c'est que des mecs du tournoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, non, ils peuvent spec sans être dans le tournoi, ok. J'ai spec parce que j'ai pas pu rejoindre. D'accord, ok. Désolé les gars, c'est des gens dans le chat qui inventent des trucs. Les gars, arrêtez d'inventer des trucs. Tu peux spec même si t'es pas dans le tournoi. D'accord, je savais pas. Désolé le chat alors. Force à tous ceux qui me spec. Merci les gars, je savais pas. T'es le boss, tu devais gagner ton prochain tournoi. Vous pensez que c'est qui? Mec, j'ai pas le temps. À chaque fois, je prends trop de temps, j'ai le chat, putain. Vous pensez c'est qui va gagner le prochain tournoi, la Clash Royale, la deuxième édition? Bon, j'ai pas mis tous les participants, mais avec les participants d'avant, est-ce que vous pensez que c'est encore le bouseux qui va gagner? Merci Kellyanne, merci mon ref. Oh, il utilise beaucoup de cartes d'un coup, lui. Je sais pas trop comment la jouer, là, pour le coup. Je sais pas comment tuer le sorcier. Ok, on va mettre un fantôme royal. Merde, redevient invisible. Ok, parfait. Ok, zappy. Zappy, j'ai le zap. On a la sorcière. J'ai le canon. Non, je vais... Ok, je sais ce que je vais faire. Est-ce que je mets un coup de zap? Ouais, je mets un coup de zap, hein. Défense en béton ou pas, les gars? Défense magnifique, il a niqué un chevaucheur de cochon. C'est le moment d'attaquer maintenant, Inox. Merci Andrea pour ta donate. Ok, si le canon il avance, ok parfait. Le canon va faire très très mal à la tour, je pense qu'il va perdre sa tour, mec. Ok, nickel. GG le chat, let's go. Une tour en moins. J'aimerais bien gagner mon prochain tournoi en vrai, je vous avoue les gars, je kifferais. Je kifferais grave gagner mon prochain tournoi en vrai. Mais je pense que j'ai pas le niveau. Est-ce que je me suis amélioré depuis le premier tournoi, les gars? En vrai, est-ce que j'ai mes chances? Je pense qu'on va... On va partir sur l'autre côté, comme ça il va avoir la pression. Moi je vais claquer zap ou armée de gobelins. Ok, là j'ai le temps. Ok.
Hop. Non, t'as pas, t'as aucune chance. Non, non, non. Ah ouais, vous, il y en a beaucoup qui pensent que j'ai aucune chance. Bof, bof, de ouf. Tu t'es bien amélioré. Ouais, mais pas assez. En vrai, les autres sont forts, hein. Michou et tout sont forts. Hein. De toute façon, je vais m'entraîner jusqu'au tournoi. Le but, c'est que j'y arrive. Hein. Oh merde, là, j'ai fait trop de la merde. Je vais me la prendre la tour, non? Ah mais de toute façon j'ai niqué deux tours, j'ai gagné là. Faut que je les fume les gars, faut que je les fume. Faut que vous soyez confiants avec moi là. Prochain tournoi, faut que je les fume. Pour l'instant j'ai perdu aucun combat dans mon... Oh merde, j'ai pas eu le temps de faire le 3 étoiles. Let's go les gars. On est à combien de games d'affilée là, de win? Pour l'instant on n'a pas trop perdu hein. On a encore une win de gagner. Je sais pas, je suis à combien de win. En tout cas, j'ai mes deux games, je crois que je les ai gagnés là. Je crois que j'ai deux games. Ouais, j'ai deux game win. Bon, je suis quand même 265ème. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est à deux game win. Faut faire zéro erreur pour tenter d'être dans les gagnants. On va prendre la sorcière. On va jouer l'écran géant. On va jouer fut barbare. Et qui est là le bouliste je pense Zappy hein. Ok, Zappy Tesla. Oh non. Oh non. Oh non. Sa Tesla elle nique mon électrogéant ou pas le chat? Ok, va falloir être solide sur les appuis les gars. Il fait trop le show. Qui fait le show? Moi? Non, moi je fais pas le show frérot. 110ème, ok carré, je suis 110ème. Non t'es 110ème mais t'as pris 255 places. Ok 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 ok. C'est à dire si je perds 0 game, faudrait que j'arrive à être dans le top 10. J'aimerais bien être dans le top 10 du tournoi les gars. Tu peux spec sans participer au tournoi. Ok ok, merci William, merci beaucoup. Alors comment il va défendre ça? Ça hute à go. Ok. Normalement, je vais tenter princesse. Enfin, sorcière plus ça. Est-ce que l'esprit va sauter? Ah non, l'esprit saute pas dessus. Oh merde. Putain. Il a pas fait long feu. Hein. Il a pas fait long feu, putain. Oh non, le bourlingueur il va niquer ma Tesla. Oh non, et j'ai loupé ma boule de feu. Ouais, ça va être dur. Faut pas que je perde. Les gars, ressaisissons-nous. Faut pas que je perde. J'ai pas le droit de perdre. Dans le chat, un max d'encouragement. Dites-moi la technique pour que je gagne là. Merci Gokan. Faut pas que je perde. Faut que je fasse zéro erreur. Je pense. Faut mettre Zappy. Zappy défensif. Ensuite, ici, je balance mon fuit à barba. Oh non, mais il a tous mes counters. Il a tous mes counters, le mec. Je fais quoi? Il a tous mes counters. Je peux rien faire. Bon, faut pas s'avouer vaincu. Frérot, il a tous mes counters. Je peux rien faire. Y'a rien qui passe. Y'a rien qui passe, gros. Y'a rien qui passe, gros. Oh là là là.
Moi, je peux rien faire, frérot. J'aurais dû utiliser ma boule de feu, peut-être. Oh, le bâtard. Mais avec l'électrogéant, j'arrête de le prendre, il pue la merde. En vrai, c'est bon. Gros, l'électrogéant, ça sert à rien de le prendre. Là je suis mort parce que j'ai fait une lose. Je pense que je peux pas gagner le tournoi, là. Là, j'ai fait une lose, ça me nique mon tournoi, je pense. J'ai mis zéro dégâts sur sa tour, au mec, hein. Il m'a laminé, gros. Ah, il m'a défoncé. Putain. Là, c'est quoi les cartes de merde qu'il me propose? J'ai pas mis un seul dégât. Ouais, bah, les gars, j'ai pas réussi à jouer le mec, hein. Patiente, mec. Peut-être j'ai mal joué, j'ai mal patienté, j'ai pas patienté, je sais pas ce que j'ai fait. Mais gros, l'électro, il se faisait niquer en 2 secondes, les gars. Il fait des bisous. Faut le fumer, lui, les gars. Il t'a dit quoi? C'est quoi N-word, les gars? J'ai dit quoi? Il a dit le N-word. Qui moi? Ah, j'ai... ah, j'ai compris. Ah oui, ok, j'ai compris pourquoi vous dites ça. Ah, ok, j'ai compris. J'ai pas dit le N-word. C'était pas voulu, les gars. C'était pas voulu, les gars. Oh là 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 là. Regardez le rage. Regardez le rage. Il a plus de tour, c'est fini. Alors lui, les gars, il a pris trop cher. Oh là 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 là. Adieu, ça dégage. Ça, c'était beau, ça, les gars. Ok, Fantôme Montréal, on va le faire partir, je pense. Fantôme Royal. Elle dégage, hein. Elle va pas faire long feu. Hop, je sais pas s'il va défendre. Bouliste. Mon gobelin Serbacane, il va venir faire le taf. Non, on va pas claquer le rage là, ça sert à rien. Je vais pas faire le con. Putain, les gars, j'ai hâte de partir au ski ce soir. Putain, vous allez en vacances, le chat, vous? Vous faites quoi là pendant les vacances dans le chat? On tente le 3 étoiles. Non, on tente le 3 étoiles. Je suis chaud, on tente le 3 étoiles. Trois étoiles, road to 3 étoiles, les gars. Oh non. Rage. Normalement il a plus de tour. Normalement c'est fini pour lui là. Attends, je veux mon 3 étoiles, je veux mon 3 étoiles, je veux mon 3 étoiles, je veux mon 3 étoiles. J'aurais pas. J'aurais pas. J'aurais pas. Oh non. Oh non, j'ai pas eu 3 étoiles, les gars. Fini les vacances, cours lundi. Ah merde, je reprends lundi. Je reprends lundi, je suis plus en vacances. Le lundi, je vais faire ma rentrée. Ah ouais, il y en a plein, c'est fini les vacances. Continue, t'es un crack. Merci Léo. Merci beaucoup, grosse dédicace. Zio, merci mon ref. Tapez 1 ceux qui sont en vacances. Tapez 2 ceux qui lundi reprennent les cours là. On va avoir le ratio là. Putain, je sais pas, je suis classement combien là. Je crois que je suis top 200 ou un truc comme ça. On va jouer avec ça. Il a pris la T2. Oh, il a le meilleur. Et T2 plus ça. Lui, il se met vraiment bien.
Ok, on va voir comment on va jouer pour niquer sa T2. Il me faut un truc qui gratte. Pour niquer sa T2, il me faut un deck qui gratte. Ça, en vrai, ça nique sa T2. Je sais pas comment je vais jouer. Mon deck, il va rien faire. Je peux rien faire. Je vois pas ce que je peux faire. J'ai un deck incompréhensif. Ça va, il y a quand même beaucoup de... Ah, il y a quand même beaucoup de 2, putain. Mais attends, les gars, vous êtes combien Attends, il y en a, c'est votre deuxième semaine de vacances, la prochaine. J'ai l'impression, il y a toute la France qui reprend lundi, là. Il y en a, il vous reste une semaine. Il y en a, il vous reste une semaine ou pas? Il y en a qui vous reste une semaine. Je pense, quand même. Ok. Il est pas agressif, lui. Aucune vacances depuis début juillet 2021. T'es un crack, Alexandre. Force à toi, mon ref. En Belgique, c'est vendredi prochain. Et on aura 2 semaines. Ah, ça, c'est bon, ça. En Belgique, vous êtes décalé de nous, du coup. Merci, mon ref. Ça, le zappi, c'est géré, hein. Alors, comment le placer, ça? Parce que je crois que mon zappi... Alors, attends. Parce que je crois qu'il faut le bien placer, ça. Ok, j'ai mal placé. Ok, le PKK est mort. J'ai bien défendu en vrai. Dommage, j'ai mal joué sur la fin, mais j'ai bien défendu. Moi, il me reste une semaine. Moi, deux. Non, deux. Il me reste 2 semaines. Moi, une. La zone A reprend et B sont en vacances. Et la C sont en vacances depuis une semaine. Ok. Ok, donc il a pas pris la T2. Je crois pas qu'il ait pris la T2. Je vais pouvoir rush au Kava avec le bélier là. Comment je place mes électros pour que ça nique le zappi direct? Merci Gio pour ton sub. Bienvenue mon ref. Ok, nickel. Là, je pense que je les ai bien placés. Je sais pas si j'ai bien placé ma roquette man. Ok. S'il laisse avancer le canon. Ok. C'est parti. On fait partir la troupe. S'il met un coup, c'est inadmissible. Ok. Parfait, j'envoie une de cette armée là. Oh, oh merde. Oh là là, à gauche il est mort, je pense. Oh, il gère bien à gauche, il gère bien à gauche. Il a bien géré à gauche, là. Allez, 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 le bélier. Pète, voilà, parfait. Ok, le zappi a niqué. On va mettre le canon ici. Merde, j'ai mal placé mon canon. Attends, la défense doit être solide là. Concentration. Concentration. Ouh, ça va être dur. Concentration, concentration niveau max. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Non.
Oh l'erreur. Oh l'erreur du joueur. Où je dois faire la même chose. Oh mais ça se finira jamais. Ça ne se finira donc jamais. Normalement ça le fait, non? GG les gars, GG, c'était dur. C'était très dur de tenir, j'avais pas trop de trucs pour aller push les tours. Sache que c'est un énorme kiss de voir tes lives ainsi que tes vidéos. Je te passe 10 francs. C'est pas énorme, je sais, mais j'espère que ça te fait plaisir. Mais merci beaucoup Alexandre, gros. Merci beaucoup déjà de rien que d'être sur mon live, ça fait plaisir. Le chat, mettez-vous un maximum de cœur, tous ceux qui sont sur mon live, ça fait trop plaisir. Merci, je prépare mes moutons pour le SIA à Paris. C'est quoi le SIA, mon ref? C'est quoi ça, le SIA? Merci pour les GG, les gars. Méga chevalier, quand même. Hein. On va taper Valkyrie. On a un bon combo. Princesse. Là, on a un bon deck de départ. Hein. Poison. Sorcier. Bombardier. Et zap. Je pense qu'on a un bon deck là. On a un pas mal deck. Merci à tous qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Merci les BG. Allez. Allez, c'est parti les gars. Bonne chance. Merci mon ref. Allez, faut que je l'allume. Alors, comment il va défendre ma Valkyrie? Ok, pas mal. Ça va pas faire long feu malheureusement. Oh, le tournoi est terminé dans 5 minutes. Ok. Poison. Ok, bien défendu. Allez, le sorcier qui fait le taf. Magnifique ça. Carré les gars, on a bien joué pour l'instant. Faut continuer ainsi. Il m'a mis quoi là? Il m'a mis une voleuse. J'ai peut-être mal mis ma princesse du coup. Regardez comment j'ai trop bien placé ma Valkyrie. Magnifique. Merde. Ça, ça pue ça. Ok, bien joué, bien joué, parfait. Parfait ça. Le sorcier, ok, sorcier contre sorcier. Parfait, on va mettre le bombé ici qui va tirer sur l'électro-sorcier. Et les gargouilles, elles meurent. Là, les placements de mes cartes, ils sont bons le chat ou pas? Là, je place bien mes cartes. Princesse. Je vais pas caler mon méga chevalier tout de suite hein. Ok. Enfin, j'ai rien à jouer si je le mets pas, donc on va le mettre. Je vais tenter un move les gars. Très risqué mais je vais tenter. Sorcier plus méga chevalier. Ok. Il est mort. Il est mort. Ça va faire trop mal ça. Ah non, il a bien défendu. La boule de feu trop bien mis hein. Au très bon moment. Ma Valkyrie qui part un peu trop tard. Ah putain, dommage. C'était bien tenté. Ok, on va mettre le méga chevalier qui va tomber dessus. Parfait. Ça, le sorcier. Parfait. Valkyrie. Là, ça part des deux côtés, il va être dans la merde. Il va devoir gérer les... J'ai rien dit. Il est pas du tout dans la merde. Moi, je suis dans la merde par contre. Il défend bien, il joue bien. Il est loin d'être éclaté le mec. Il défend bien. Ah, ça nique pas les gargouilles quand je le pose. La voleuse est trop cheatée.
Je sais pas comment la counter. Je suis mort. La Rose va me faire, elle va me faire trop mal. Ok. Counter, c'est la Valkyrie. Je suis mort, je suis dans la merde. J'ai pas de défense au... Oh. Je suis mort là. Là je panique là. Là je suis dans le moment de panique là. Concentration, 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 concentration. Parfait. J'ai pas encore perdu. J'ai pas mon sorcier pour défendre. Je suis mort. 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 Putain les gars, en fait tu fais une erreur sur ce jeu, t'es mort. Une erreur, tu t'es mort. Ah j'ai le seum. Est-ce que j'ai le temps de faire une dernière game ou c'est fini? Oh j'ai le temps. J'ai le temps de faire une last game. Mais c'est punitif hein. Tu fais une erreur, t'es terminé là sur le jeu. Elle était où mon erreur là, le chat? C'était quoi mon erreur? Histoire que j'essaye de visualiser parce que... Comme ça je peux m'améliorer parce que là je vois pas c'était où mon erreur. Jouer dragon, bébé dragon. Cimetière. Et mineur pour taper la tour. Hein. Le MK c'est une carte défensive, tu la joues trop en attaque. Le MK c'est pour la défense, putain moi j'aurais pensé que c'était pour attaquer non? La voleuse t'aurais dû la défendre. MK3 agressif. Est-ce qu'elle meurt en one shot? Non, elle meurt pas en one shot. Ok. Ça, ça va me faire chier, je pense. Elle va faire chier. Normalement on défend pas mal là. J'aurais peut-être dû mettre la pierre tombale. Je vais tenter dragon mineur, on va voir ce que ça donne. Non 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 non, j'ai pas assez d'élixir pour tenter des moves. Ok là je suis dans une belle merde. Parce que j'ai plus rien pour défendre ça. Donc faut mettre un... Moi pour moi faut que je mette un zappi défensif. Oh, je suis mort. Je suis mort. Je fais quoi là les gars? Je suis censé faire quoi en fait? Je peux rien faire. En vrai son truc il fait pas trop mal en vrai. Hein. Vite ma pierre tombe balle. La voleuse faut que je la... Faut que je vraiment pas que je la laisse passer. Je garde mon bébé dragon. Mon bébé dragon je le garde que pour le molos. Là j'étais dans une belle merde hein. J'ai réussi à m'en sortir hein. Je sais pas comment mais j'ai réussi. Zappi. Là je vais attaquer là. Je vais pas le laisser m'attaquer. Dès qu'il met... Ok. Merde j'ai mis pile dans son poison. Oh non ça a pas pu le mettre. Ok, on va en remettre un. Ok, j'ai trouvé la strat pour push. Là, il est pris de débordement. On va faire péter... Ok, ça sert à rien de faire péter ça. J'ai mal mis mon gobelin Serbacan. Il a plus beaucoup de vie, mon machin. Concentration les gars, concentration. On est à peu près à égalité.
C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Mais c'est une blague, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Je comprends pas pourquoi tout ça, ça passe. Normalement, c'est censé mourir, là. Ah, j'ai rien compris, là. Moi, les gars, sur cette fin... Là, là, la fin de game, là, j'ai pas compris pourquoi c'est passé. J'ai pas compris comment il m'a tué, là. Ouais, bon, on n'a pas été très bon là. On a le premier... Il a 9 victoires, lui. Il a fait un sans-foot, les gars. Je crois que c'est fini. On est presque à la fin. Si lui gagne son combat, il peut passer premier. Alors, son deck, il a combien de trophées? 5300. Ok, il en a pas tant que ça non plus. Et il a ce petit deck avec des cartes niveau 9 et tout. Voilà, les gars, c'est peut-être le deuxième gagnant du deuxième tournoi. Ton fût, c'est pas de la décoration. Quel fût? J'avais un fût? Le Zappy a visé la troupe juste devant. Ah merde! Mon Zappy a choc. Fuck mon Zappy alors. Je me disais bien, attends, normalement il y a tout le monde qui doit die là, frère, je comprends pas. Le Zappy, il a fait de la dé là. Attends, le combat va bientôt être fini. Les gars, attention, qui va remporter le deuxième ticket d'or pour venir en backstage du deuxième tournoi Clash Royale? Suspense. Suspense. Je suis combien tième, moi, les gars? Comment on voit, je suis combien tième? Moi, je suis loin, les gars. Je dois être top 300. Et encore, je dois être plus que top 300. Mais en vrai, c'est bien, ça nous a entraîné quand même. Tu fais encore beaucoup trop d'erreurs. Ouais. Gère tes placements, Zappy. Ouais, putain, fais chier. Fais chier, les gars. Ouais, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Faut que j'arrive à faire 100 erreurs pour pouvoir gagner. Pour pouvoir gagner le tournoi, faut que je fasse plus d'erreurs sur le jeu. Le Zappy, quand il y a une cible, il reste sur la cible et ne change pas de sa cible. Mais attends, mais les gars, ça finit quand, là? Ils ont fini quand, leur match, là? Il y en a un, deux... Ils sont que deux, là. Il reste deux matchs. 3, 4. Il reste 4 matchs. Attends, on va voir comment ça joue, là. Ah, non. Oh! Oh, il a failli passer premier. Il est pas passé premier. Oh, le seum. Oh, le seum. Bah, on a le premier du tournoi, je crois, les gars. Je crois que le premier du tournoi, ça peut être que lui, hein, logiquement. Ouais, ça peut être que lui, parce qu'ils ont tous fini leur match. Ouais, c'est que lui. Les gars, le gagnant du tournoi, c'est Alf Kaka. Cucu. C'est Alf Cucu. Un max de GG dans le chat pour lui, qui a gagné le deuxième ticket d'or et qui sera là en backstage pour le deuxième tournoi Clash Royale. GG, mon ref, félicitations. Le chat t'applaudit. Tout le monde t'applaudit. Incroyable. T'es un crack. Merci beaucoup, mon ref, d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont participé dans le chat. Pour ce tournoi, ça, c'est carré. Tu pourras refaire un tournoi pour le fun. Vous voulez que j'en fasse un dernier pour le fun, le chat? Vous voulez un dernier pour le fun? On en fait un dernier avant que je parte au ski? Parce que là, il est 21h. J'ai pas fait ma valise. Allez, j'ai le temps d'en faire une dernière. Après, par contre, faut que j'aille faire ma valise et que je bouge, les gars. On peut faire un dernier pour tous ceux qui n'ont pas pu participer. Mais GG à toi, en tout cas. GG à tous ceux qui ont participé. Merci, les gars. Ça fait plaisir que vous soyez autant impliqués dans les trucs comme ça. Ça me fait grave plaisir. Nom du tournoi, Inox. Je t'aime. Définir un mot de passe. On va le faire à la fin. Hop, capacité, hop, durée, combat, tirage triple, voilà, vous êtes prêts, Inox, je t'aime, 2-2, mot de passe, 2-2, 3-2, définir, hop, c'est parti, bonne chance à tous. J'ai fait vite, comme ça, il n'y a pas de fake, comme ça, le but, c'est d'aller le plus vite possible, let's go les gars, c'est parti, bonne chance à tous ceux qui vont participer. J'ai fait le plus rapidement possible, comme ça vous pouvez pas tomber sur des fakes. Il y en aura, mais au moins c'est les plus réactifs. Merci beaucoup Jonas, merci mon ref pour ta donate, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont sur le live, ça fait plaisir les gars, merci beaucoup, ça fait plaisir. Nouvelle vidéo demain, vous savez l'heure ou pas? Quelle heure demain la nouvelle vidéo? J'ai même pas besoin de le dire, normalement vous êtes tous au courant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, exact. Tu pars à quelle heure au ski, les gars? Moi, je pars dans 3 heures. Dans 3 heures, je suis censé partir. Mais je vais partir un peu plus avant, normalement. Dans 2h30, je suis censé partir, mais il faut que je fasse ma valise. Donc, je dois rentrer chez moi faire ma valise. Ok, les gars, tout le monde est prêt. C'est parti, let's go. Allez, les gars, c'est parti. Le tournoi commence. Allez, on prend Tombstone directement.
Allez, aujourd'hui, là, c'est mon dernier tournoi. J'essaye de faire zéro faute. J'essaye de faire zéro faute, faire que des wins et de gagner le tournoi. À moi de jouer, les gars. À moi d'être bon. À moi de me concocter un deck incroyable. On va se prendre ça parce que moi je l'aime bien celle-là. Hop, on va prendre la bûche. J'ai pas vu ses cartes, ça lui, putain. Ça sert à rien de prendre le bûcheron en vrai. Allez, je vais gratter. Allez, on va jouer comme ça. Merci Camille pour ton sub, merci beaucoup. Merci, merci, 13 mois, c'est énorme, merci beaucoup. Allez, c'est parti, les gars. Donc, j'ai le ballon. J'aurais. Ah, mais ouais, le bûcheron avec le ballon, ça aurait été surcheaté. Normalement, ça, ça va pas faire long feu. Ok, mon ballon, il est pas passé. Ma meuf, je l'ai mal mise là. L'archer magique, faut que je le fume. L'archer magique fait mal. Hein. Ok, l'archer magique, faut que je le fume direct, les gars. Bonne vacances, Inox. Merci, les gars, ça fait plaisir. Merci, les refs. Ça va me faire du bien, ça fait longtemps. Bon, ça fait non, ça fait depuis cet été, mais ça fait depuis cet été. Je suis pas parti, ça va faire du bien en vrai de changer les idées là. C'est quoi ton fond d'écran? Merci, Auguste. Je crois que c'était Itachi. Hein. Je dis pas de conneries. La Valkyrie, je la nique comment? Ouais, je vais la niquer comme ça. Je vais la niquer avec ça. Je vais push le ballon derrière. Parfait. On push le ballon. Ah, t'as pété. Mon ballon, il passera jamais en fait. Tant que je nique pas son putain d'archer, il passera jamais. Comment je nique son archer sans boule de feu là? Merci Squeeze, c'est vous les BG les gars, c'est vous. Merci mon ref. Bon, ça, ça dégage ces cochons de merde là. Je vais essayer de rush avec le chevalier là, comme ça. Je pense que ça va le faire. Je vais faire ballon chevalier. On le tente, ballon chevalier, le chat, ou c'est risqué? En vrai, ça le fait. Hein. Ah merde, il a posé un truc que je voulais pas qu'il pose. Ça m'arrange pas là. Allez, mets-moi un ballon. Oh putain, il m'en a mis un ou pas? Je sais pas s'il en a mis au moins un. Ok, je mets mes deux trucs, ça va bien gratter. Le but c'est que ça gratte. Je vais m'installer tranquille. J'ai rien dit. En vrai c'est tentable là, hein, de balancer un ballon. Ouais non, c'était un peu trop ballsy là le ballon. C'est un peu ballsy là ce que je viens de faire. Ok, mes troupes sont parties par là. Ok, regardez ce que je vais faire. Il a plus son archer magique, le con. Il a fait le con. Merde, j'ai pas vu à gauche. Je suis mort. Alors, c'est loose. C'est loose, c'est loose, c'est loose. J'ai fait le con. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai paniqué. Sa Valkyrie, elle est pas morte. Je comprends pas. En fait, sa tornade, il l'a trop bien joué. Il a trop bien joué sa tornade. Ouais. Elle me niquait à chaque fois. Ouais, j'ai perdu. Ouais, j'ai lose. Ces petits cochons, ils me grattaient souvent. Moi, ouais, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Bon, c'est pas moi qui disais, venez les gars, on essaye de pas perdre une game. Venez, on essaye de faire que des wins. Putain, fils. Michou, ah mais c'est pas le vrai. Avec les croutons, non non, je pars avec les potes de ma ville, les gars. Je pars entre potes de ma ville. Hop, je prends ça. Normalement, je devais jouer contre Gotha ce soir, mais
à cause du Covid, là, il est pas bien, donc... Enfin, à cause du vaccin contre le Covid, là, il est pas trop bien, donc... Il m'a lâché. Je pars où? Je pars aux Alpes, les gars. Je pars aux Alpes. Faites où le ski, vous, quand vous allez au ski? Là, c'est le dernier live avant une semaine, mec. Même plus d'une semaine, parce qu'après, je fais Paris-Roubaix, donc... on se voit pas avant longtemps, les gars. Mais je vais essayer de like... je vais essayer de... De live au ski. Je vais essayer de vous faire un live. Quand je skie sur les pistes. Vous pensez qu'il y a de la 4G là-haut sur les pistes? Normalement, je vais pouvoir envoyer mon chevaucheur. Maintenant. Oh merde, il a mis son truc de merde. Quoique, non, c'est bien. Comme ça, la sorcière, elle va. J'ai rien dit. Ils jouent tous tornade, gros. Ils jouent tous cette tornade. Courchevel, Avoriaz, Alpes. Ouais, la plupart d'entre vous, vous allez aux Alpes, hein. Everest, il y a un mec qui m'a dit, je vais aller Everest. Ah, c'est rouge. Alors ça, voilà, l'élixir dans le vide. En vrai, ça va faire un petit coup, hein. Ouais, ça fait un moins 150, je dis pas non, hein. De toute façon, j'avais le temps, en vrai. On va le tenter, Ok. Parfait. On a tout notre temps. Je vais mettre elle. Non, parce qu'il va mettre son sorcier, lui. Ouais. Son sorcier. On va voir si son sorcier il va me niquer mes troupes, là. Mais je pense que oui, hein. Ouais, c'était sûr. Ok, le poison nique le sorcier, au fait. Ok. Sa Tesla me fait chier. Comment je vais jouer, là? La Tesla va me faire chier, mais... Je vais attaquer juste après. Ok, plus de Tesla, plus de gobelins à lance. J'ai rien dit. Ok, c'est parti, les gars. Regardez. Regardez, là, ça va être vraiment la guerre pour de vrai, là. J'ai rien dit. Je suis dans la merde. Wesh, comment il joue trop bien. Vous avez vu ce qu'il a fait là? Vous avez vu ce qu'il a fait? Attends, il m'a défoncé. Il m'a défoncé, gros. Il a mis tornade, boule de feu. Il m'a enculé, gros. Il m'a défoncé ma race. Attends, mais gros, je me fais défoncer là. Merde, j'ai fait mon poison. Allez, tue le sorcier, j'ai gagné. Ok, normalement j'ai gagné. Normalement je prends sa tour. Normalement je prends sa tour. Il a mal mis son sorcier. Une erreur. Une erreur. Voilà, comme par hasard. Une erreur. J'ai renversé la game. Let's go. Sur une erreur. Merci Squeeze. Ouais, je connais. Merci Squeeze. Merci Louis. Let's go les gars. Putain. Sur une erreur, gros, tu peux gagner une game, gros. Comme quoi? Allez, gars, continue comme ça. Faut pas lâcher. Faut pas faire d'erreur. Coucou, j'espère que tu passeras de bonnes vacances. Merci, mon ref, ça fait plaisir. Non, là, les gars, le dernier tournoi, c'était pour le fun. Pour gagner Nox, prends ton temps et joue la défense, comme ça tu peux contre-attaquer, comme ça tu peux gagner vu qu'il n'y aura plus d'élixir. Bah c'est ça le... La subtilité. On va jouer bombardier. Et on va jouer avec ça. Ok. Pour niquer son MK, la Valkyrie, ça suffit le chat ou pas? Je pense que la Valkyrie, ça fait le job, non? Je veux défendre ça, je suis con. J'ai fait le con là. J'ai perdu des dégâts pour rien. Normalement, qui gagne entre les deux là? Ok, c'est égalité. Les deux là, c'est égalité. J'ai
Je sais pas si c'est bien les flèches là. Ouais, en vrai les flèches ça m'a permis de mettre des dégâts. Hein. C'est trop addictif ce jeu. Mais de ouf. Ce jeu il est dangereux les gars. Ok, faut que je récupère de l'élixir. Ok, mini PK, je tue avec quoi? Ah bah avec ça là. Ça, ça défonce mini PK. Hein. Oh, j'ai trop bien placé la carte. Théma, ça en a envoyé partout. Bon, moi je sais pas si ça fait vraiment le job. Hein. Mal placé ça par contre. Ok, non, ça va. J'ai eu de la chatte. Hein. Il va mettre sa sorcière, non? Oh merde. Ok, MK. Alors, on va voir si ça suffit pour défendre le MK, ça, les gars. Je mets trop de temps à défendre. Ah ouais? J'hésite trop. Ok, ça, ça défend le MK. Tranquille, mais chill. En mode chillax de chez chillax. Ok, Valkyrie, ça défonce la sorcière. Maintenant, lui, il commence à me saouler avec son mineur qui gratte là, comme un vieux schnock. Ok, je vais attendre. Voilà, hop, parfait. Je vais attendre pour mettre mon cava bélier. Parfait, et là, maintenant, je vais mettre mon cava bélier. Oh non, putain, son MK de merde. Allez, vas-y, tape la tour, tape la... Oh, dommage. Là, si ça passe, ça va faire mal. Hein. Si tout, ça, tout ce qu'il y a là, ça s'accumule et ça passe, ça fait mal. Ok, non, ça fait rien. Putain, j'ai du mal à passer. Là. Ok, concentration, les gars. Alors, je vais accumuler mes troupes derrière. Ok, il a mis son MK. Je pense qu'il a fait une erreur. Parfait, et moi je vais push de ce côté-là. J'arrive pas à push, hein. Il m'en empêche, hein. En fait, faut que j'arrive à être présent des deux côtés. Malheureusement, je perds de l'élixir à faire le con, là. Ok, parfait, ça, ça défend bien. Valkyrie contre le MK. Ouais, ouais, je sais, les gars, mais malheureusement, si ça touche ma tour, je vais péter un câble. C'est honteux que ça touche. C'est honteux. Allez, concentre-toi, Inos, concentre-toi, tu peux gagner. Maintenant, go! C'est maintenant, t'as toutes tes troupes. T'as tout... Ah ouais, t'as plus rien, en fait. Sa boule de neige, elle fait gagner de ouf du temps. Mais les gars, je sais pas comment je peux gagner, c'est impossible. C'est impossible. Je peux rien faire. Il me casse les couilles, son enculé de mineur. Il va me finir au mineur. J'essaie de bombarder de troupes, mais... Même en bombardant de troupes, c'est trop chaud. Oh oui, ça tape. Oh oui, ça tape. Pas assez. Ça tape pas assez. Oh oui. Oh non, putain, à une seconde près. Je vais perdre. Son mineur de merde. Putain, chier. La lenteur dans tes mouvements. Mais je suis si lent que ça, le chat? Je suis vraiment si lent que ça? Vous trouvez que je suis lent? Les gars, j'ai donné tout ce que je pouvais pour gagner, là. Vous avez tenté des pré-shots parfois en mode il fait tout le temps la même chose, du coup tu BDF ou flèche. Ouais, t'as raison, hein, c'est pas con. Hein. Je sais pas s'il est bien ce que je viens de prendre là. Je vais prendre. C'est quel jour que tu fais Paris-Roubaix?
fais attention à la météo s'il fait pas beau. Je viens, je t'invite en Belgique le 25 mars. Merci Jonas, merci beaucoup mon ref. Paris-Roubaix, c'est début mars mon ref. Début mars, frérot. En fait, je pense que je sais pas jouer les sorts. Il y a moyen. Je pense que je sais vraiment pas jouer les sorts, les gars. Pas grave. Tu t'améliores. Ouais, mais bon. Il y a des trucs qui vont pas bien, en fait. Des trucs, je sais pas. En fait, une fois que j'arrive pas à percer une attaque ennemie, j'arrive pas à gagner, en fait. En fait, une fois que je vois... que le mec il me défend tout le temps, j'arrive pas à changer mon jeu pour le surprendre. Tu défends pas, tu t'étonnes, tu perds. Ouais, en vrai faut défendre. En fait je pense qu'il faut d'abord, les gars, faut d'abord que je défende et après que j'attaque. Faut pas que j'attaque dès le début. Genre là j'attends, je défends juste. Et dès qu'il fait une erreur j'attaque. Genre là j'attends, voilà. Voilà, j'attends tranquille. Là faudrait quand même que je défende ma Tesla, tu vois. Donc pour le coup je mets un petit barbare, il nique ça. Et on est bien. On est content. Ici, je mets Natia Fissière, elle va faire le taf pour tout tuer. On est content. Ici, on le dit, on le nique avec ça. C'est bien joué normalement. Ok, je pouvais rien faire de plus, je pense. Voilà. Là, j'ai défendu là. Maintenant, j'aurais dû à contre-attaquer, mais là, maintenant, je pense. Je pense que j'aurais dû balancer un MK par exemple. Tu vois. La voleuse. Elle tape, parfait, il l'a pas défendu. Pourquoi il l'a pas défendu? Ça, ça tire sur les trucs dans le ciel ou pas, les gars? Ça tire sur du aérien? Bah, on va le savoir maintenant. Ok, ça tire pas sur l'aérien, je crois. Ok, c'est parti, je tente une attaque, j'ai plus d'élixir. Si ça passe pas, on a perdu. Ah oui, ça tue pas l'aérien, ça. Ah si, ça tue l'aérien, en fait. Ah si, ça tue l'aérien. Ok, bah, l'attaque est passée, en fait. Parfait. Donc maintenant, on est en détente. On a niqué sa tour. Lui, on va attendre tranquillement. Je vais pas poser ça. Je vais poser ça. Voilà, sinon il va niquer ma Tesla. Lui, je vais mettre ma Tesla maintenant. Parfait. Là, j'ai bien placé mes cartes. Hop, ici, je balance une petite voleuse. Et voilà. Là, j'ai bien joué, les gars, ou pas? Voilà, là, c'est carré, c'est géré. Je pense que j'ai bien joué là. On pose le chasseur qui va faire le taf de protéger cette tour. Ok, cabane de barbare. Elle va pas faire grand feu de toute façon. Voilà. Ok, il y a les gargouilles qu'il faut pas laisser en vie. Ça, ça dégage. Hop. La voleuse, on la cale. Bon, on défend bien là, c'est bon, on a géré, non? C'est géré tranquillement, ça. C'est parfait, là. Il peut rien faire, le coco. On a un chasseur. GG, les gars! GG. Il m'a dit bien joué, en plus, c'est un bon. T'es un crack, mon ref. Ton deck est trop cher, ouais, après. Le chasseur, il met plus de dégâts au corps à corps. D'accord, ok, quand il tire corps à corps, c'est plus cheaté. Je savais pas, tu vois, tu m'as appris un truc. Le chasseur, c'est une bonne carte ou c'est merdique, le chat? Ok. Moi, je pense qu'on va opter pour ça. Le dragon zap, là, il est bon, je pense. Dragon zap, ça, c'est ma défense, tu vois. Ça, c'est ma défense principale. Boule de feu. Moi, je vois bien Gobelin Serbacan. Parce que j'aime bien. Tombstone. Ça, tempo. Moi, je suis chaud d'aller attaquer avec... Chevaucheur de cochon, écoute pas cher, il fait le taf. Et Valkyrie. Bonne, bonne. Trop fort contre les ballons. Ça passe, c'est bien. C'est pas ouf, le chasseur. Fort. C'est bien avec le pêcheur. Ah bah oui, comme ça tu mets le pêcheur et le chasseur à côté, le pêcheur ramène et tire. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ok Marius, Simer mon ref. Ok, c'est parti, on enchaîne les gars.
Donc là, vous m'avez dit je défends, mais là, j'ai chevaucheur de cochon, donc autant attaquer. Comment il va défendre mon chevaucheur de cochon? Avec un bouliste. Ok. Ça marche. Ça marche. On met quand même deux coups. Moi, je vais défendre son bouliste avec mon électro-dragon. Je vais pas mettre ma tombstone, sinon il va me la terminer direct. Et est-ce que mon gobelin va attaquer le bouliste à cette distance? C'est un test. Ok, parfait, ça marche. Parfait, c'est bien défendu. Maintenant, on défend. Là, les gars, je m'entraîne vraiment à m'améliorer, à trouver les bons positionnements de cartes. On place la tombstone. La garouille, elle va se faire tuer avant de casser la tombstone. Ah non. Pourquoi elle se fait pas tuer, elle? Ok, j'ai pas compris. Ce combat, les gars, je le gère. J'ai un bon deck, je pense. Ok, les petits mini-moys, là. Moi, je suis chaud, on fait un Valkyrie Zappy. Ok, non. Non. Tu vas rush sur le côté, là. Tu vas défendre avec Valkyrie et Dragon. Ok, je suis dans la belle merde. Ok, mon pêcheur, faut pas qu'il casse les couilles, le pêcheur. Le boost, il fait chier. Mais là, je vais récupérer de l'élixir, donc c'est bon. Je vais pouvoir remettre un Zappy directement ici. Voilà, et on va envoyer un chevaucheur ici. Il pourra pas défendre, il a niqué. Ah si, il a bien géré. Ok, là faut que j'économise. Là j'ai trop attaqué pour rien, je pense. Mais au moins je mets la pression. Mon Zappy il gère eux là, tranquille. Ça c'est géré. La garouille elle va venir. Valkyrie. Voilà. Là je joue bien les gars ou pas? On fait partir un Zappy de l'autre côté, on est en x2. Je vais mettre mon chevaucheur de cochon dès que le pêcheur on le tue. Boum, chevaucheur de cochon. Ok, je pense que c'est bien joué. Oh non, il a bien joué sa tornade là. En vrai. Ah ouais, il m'a bien fait chier là. Ok, tombstone. Ok. Ça on le nique. Je ne meurs pas. J'ai tenté un rush de ouf là. Oh non, la tornade fait trop mal. Ok, c'est pas grave. Concentration. 360 du Zappy, c'est quoi ça? 360 du Zappy, les gars. Faut que je mette mon petit gobelin. Là, j'ai une bonne attaque. J'ai une bonne attaque. Ok, il m'a niqué mon petit. Pas grave, je vais faire partir le chevaucheur. Putain, il arrive bien à gérer en vrai le coco. Là je suis dans une belle merde. Je me suis foutu dans une belle merde. Oh non. Je mets mes cartes un peu aléatoirement là, c'est pas bon. Ok. Concentre-toi, prends ton temps, t'as le temps. Voilà. Voilà. Mets ça là. Parfait. Mets une Valkyrie. Mets le dragon sur eux. Double Zappy. Une fois que les double Zappy ça passe, ils sont morts. Fini pour eux. Il a activé ma tour du roi. Il a fait le con. Voilà, double Zappy. Hop, parfait, parfait. Parfait, parfait. Double Zappy encore. Le chevaucheur qui part. Ok. 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 Là on met une boule de feu. Allez hop, on met la pression, met la pression, met la pression, met la pression, met la pression. Hop, pierre tombale, tombstone. Hop, ici c'est bon. Hop, ici j'attaque. Allez, 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 allez. Je mets des dégâts, je mets des dégâts, je mets des dégâts, je mets des dégâts. Ok, GG les gars, c'est aberrant, la game est aberrante, mais on peut mettre des GG dans le chat parce qu'on a bien tenu, on a bien tenu, on peut se féliciter. Par contre, il a bien défendu aussi, hein. Il a très bien défendu les gars.
Mec, mon Zappi, c'était le roi des 3-6. La tête d'homme, mon Zappi, c'était le roi des 3-6. J'ai pas paniqué en défense, ça va. J'ai pas trop paniqué. On va jouer Fut Gobelin. Merci pour les GG, les gars. On va rejouer Zappi. On va... Ouf, là, il a du bon, là. Là, il a du très très bon. Je sais pas comment je vais la jouer, là, cette game. Foudre. Je la tente à la foudre ou pas? Je la tente à la foudre. On va la tenter à la foudre. Ok. Il a un mini PK. Il a 5 var... Il va prendre le mini PK, je pense. Mini PK, je lui mets un coup de Zappi, c'est fini. Je pense que j'aurais dû prendre le canon. J'ai fait de la merde. Je pense que j'ai fait de la merde. Mec, c'est le roi des 3-6, le Zappi. Il faisait que des 3-6 street shots, les gars. Ok, c'est parti. Je vous écoute, hein. C'est d'abord défense. J'ai mal posé ma caverne de gobelin. Pas grave, j'ai mon fou barbare. Ah oui, il veut me le détruire direct. Ok. Ok, parfait. Ça va gratter de ouf, ça. On va mettre le prince. Je pense que je l'ai mal placé parce que la Valkyrie va toucher la tour. Ouais, j'ai très mal placé. Au moins, je le saurais. Ça, je sais pas le jouer, les gars. S'il y a rien... Bûche, tu dois la cycler pour libérer une carte dès que tu l'as grattée sur la tour. Ok. Y a le... Ça, ça va pas faire long feu. J'ai mal placé. Mais j'ai encore mal placé mes cartes, gros. Ça me rend ouf. Je vais perdre à cause de ça, là. C'est réel. Juste parce que j'ai loupé mon artificier, là. Ok, non, j'ai pas de quoi attaquer, là. Ok, il a mis une bûche pour le Zappi. Ça va toucher, non? Nique le PK, s'il te plaît. Oh, parfait. Là, il a niqué de l'élixir comme un con. Le fantôme royal, les gars, faut que je le mette direct sur la troupe ennemie ou pas? Oui ou non? Comment il va défendre mon fût? Ok, parfait. Faut vraiment que je gratte avec mon fût, hein. Ouais, mon fuit va pouvoir faire beaucoup de dégâts. Elle s'est bien placée parce que du coup elle va sur l'autre line. 6-6-6. De quoi sa tour? Elle était à 6-6-6? Équipe. Ok, parfait. Je pense qu'on devrait défendre comme vous m'avez dit. Je vais défendre ma tour. Parfait, j'ai la hutte à gobelin. Il pourra pas la boule de feu. Normalement, je nique son truc, là. Ok. Foudre. Parfait. Je vais faire partir ça, ici. On va faire... Ok. Oh non, il va tuer ma sorcière avec la bûche, c'est moche. Oh, j'ai pas vu, j'ai plus de... En fait, je suis con. J'avais pas vu son mini BK, je suis mort. Ok, non, c'est bon, ça fait le taf. En fait, elle, faut pas qu'elle mette des dégâts. J'avais pas vu, les gars, qu'elle attaquait ma tour, cette conne. Ok, je vais mettre fût de gobelin. J'ai trouvé la strat, là. Faut que je défende de ouf, ici. Ah, mais il va me niquer la boule de feu. Il va me niquer à la boule de feu. Il va me niquer à la boule de feu, je pense. La strat, c'est quoi? C'est venir là. Balancer le fût de gobelin. Ouais, il va me niquer à la boule de feu. Mais là, si mon fût de gobelin il passe, c'est fini pour lui, il a perdu. Oui, 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 s'il te plaît. Tape, 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 tape. Encore un, encore un. Let's go! Let's go, les gars! C'est beau! C'est beau! C'est très très beau! On a failli perdre à un centième près. Sa boule de feu a failli me défoncer. Sa boule de feu a failli me défoncer le chibre. Oh! Carré! Carré, les gars. J'ai pile eu le temps. Il restait 15 secondes de tournoi. C'est ma dernière game de tournoi, les gars. Et on a eu chaud.
Je vous le dis, moi, on a eu chaud. Valkyrie ou Fischer? Ouais, Valkyrie. Quand même. Poison. On a eu chaud, les gars. Ok, on va prendre ça. On va pas quand même jouer Zappy tout le temps, tout le temps. Merci les gars. Merci les BG. Lui, il a ça. Ok. Je pense qu'on va jouer géant. J'ai pas envie de jouer géant royal. Faut que je m'entraîne à jouer autre chose. Et on va jouer sorcier. Ok les gars, je pense que j'ai un deck pas dégueu. Mais ça se trouve il m'a laissé win les gars en vrai. Il y a moyen qu'il m'ait laissé win. Peut-être il a troll, non? Il a fait exprès? Ah, il aurait peut-être pu mettre sa bûche en vrai. Ouais, vous avez raison en vrai. Il y a moyen. Ok. C'est parti. J'ai fait de la merde. Allez hop, ça commence bien. J'ai déjà envie de racheter. C'est pas grave. Il va mettre. Voilà. C'est pas grave. On va pas rager. J'aurais pas dû mettre mon géant. Archer. Canon. Ok, là je pense que j'ai un vrai trio. Regardez. Comment il va défendre ce trio là. Ok, je suis dans la merde. En vrai, ça fait le taf là pour l'instant. Ouais, non, je vais. Ça va être dur de gagner cette game, les gars. Là, c'était risqué. Tu vois le move du feu à squelette? Je suis pas sûr de ça, tu vois. Oh, il a fait son zap. Oh, si. Ça prend quasi une tour. Quand il fait son zap, ça prend quasi la tour, le feu à squelette. C'est très cheaté. Comment on va faire ça? Allez, je vais tenter d'attaquer aussi la deuxième tour. On va pas attaquer que une tour. Qu'est-ce que il avait mis pour défendre mon géant? Il avait mis une voleuse, je crois. Ok, non, il avait mis le prince. Ok, on va tenter un autre move. On va tenter ce move-là. Comment il va défendre ça, là? Ok. Ok, parfait. Pour l'instant, on n'a pas dépensé plus d'élixir que lui, je pense. Ok. Je vais faire partir mon fût, même s'il va faire un zap. On s'en bat les couilles, on le fait partir. Regarde, il va zap, là. Oh, il a fait de la merde. Quoique, je sais pas s'il a fait de la merde. On va placer la Valkyrie ici. Canon ici. Machine volante ici. Ensuite, on va taper l'archer ici. Normalement, la machine volante, elle va taper le dragon. Je vais recaler un géant. Oh merde. Je recale un géant. La voleuse, faut la défoncer. Ça, c'était un volant. J'utilise pas mon poison, les gars, putain. Je sais pas quand l'utiliser, j'utilise quand le poison? Elle va me niquer comme tout à l'heure. Putain. Je sais pas quand utiliser mon poison. Et j'arrive plus à push, là. Il coûte trop d'élixir là mon deck, j'ai l'impression. Tu vois, il va m'avoir comme ça, hein. Il va m'avoir sur la durée. Hein. Il va m'avoir avec sa putain de voleuse de merde. Voilà. Fais chier. J'ai trop le seum, les gars. J'ai trop le seum, j'avais rien pour la défendre, sa voleuse. Après, j'avais peut-être un truc, mais. Merci, Exterminator. Merci, mon ref, pour ta donate. Bon, les petits refs, on a fini. J'ai les deux gagnants du tournoi pour ceux qui viendront dans les backstage. Et je vous annonce bientôt. Le tournoi Clash Royale sur Twitter, Insta et tout tralala sur ma chaîne secondaire. Merci les gars de ceux qui ont regardé live. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Moi, je pars au ski. Je vais faire ma valise. J'espère que vous avez kiffé ce dernier live avant mes vacances. Et j'essaierai de live au ski. Sur les pistes, j'essaierai, mais je vous promets rien. En tout cas, des gros bisous tout le monde. Merci d'avoir été là pendant ce live. Ça m'a fait grave plaisir. Rendez-vous à 14h30 demain pour une nouvelle vidéo. Vous allez kiffer, je pense, la vidéo de demain à 14h30. Et dimanche
à 17h32 pour un post tarlé ouf sur Insta. Je crois que c'est le meilleur post Instagram de mon Insta. Il est trop fou. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Les gars, passez tous une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Bonnes vacances à tous. Tchuss.